Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans l'émission Le Spot. Comme d'habitude, de 20h à 22h, mais il n'est pas 20h, on a attendu que Emmanuel Macron parle. Je ne sais même pas d'ailleurs s'il parle encore ou pas, on a un peu laissé de côté pour préparer l'émission. On va pouvoir y aller, c'est l'heure du Spot. On se retrouve toutes les semaines, comme d'habitude, en compagnie de Axel. Axel, comment tu vas ? Salut à tous, bah écoute, ça va. Toi, t'as fait quoi un peu cette semaine, du coup ? Pas grand-chose. On bosse sur le Spot. À venir. C'est cool. Merci. Et toi, Ambre, ça va ? Bah, ça va, nickel, rien, tout roule, hein. On peut continuer. Tout va bien. Tout va bien. Ouais, et toi, ça va ? Ça va super. Voilà, on n'entend pas son micro, on n'entend pas Axel, ça devrait se régler normalement. Axel parle. Est-ce que ça marche, Paul ? C'est une petite validation du côté de Lulu ou de Mathieu, peut-être. On attend son qui grésille. Aïe. On va essayer de régler ça le plus rapidement possible. Bien sûr, comme d'habitude, on vous le rappelle, on est testé, ne vous en faites pas, on n'a pas les masques, c'est normal. Petite nouveauté, on va changer de chaîne pour streamer. On va partir sur iHeartSub Général. Donc là, on est sur iHeartSub Lyon. On va aller sur iHeartSub Général pour essayer d'avoir un peu plus de d'émissions en fait, parce qu'ils animent aussi des émissions sur Paris. Pour avoir une chaîne qui en fait propose des streams plusieurs fois par semaine au lieu d'avoir notre chaîne qui propose un seul live par semaine et des fois non. Donc ça va être plus intéressant. Je pense que ça va être plus intéressant pour tout le monde. Deuxième information, on a enfin des réseaux sociaux pour le Spot. Donc, on a notre Twitter et le Instagram. Donc, rejoignez-nous sur lespot.talkshow sur Twitter et lespot_talkshow sur Instagram. C'est ou ça. L'inverse, je sais pas, on verra. Un truc avec le Spot dedans. Il y a le Spot dedans, c'est sûr. Talkshow, voilà. On verra. voilà, donc là, je pense que c'est les petites informations. Et aussi... On fait une petite annonce ou pas ? On fait la petite annonce ou pas qui va arriver du coup dans pas longtemps par rapport à un décor peut-être Pourquoi pas ? Moi je suis chaud, après toi comme tu veux. Alors voilà, on va dire ça comme ça, mais on va changer de décor aussi, on va... Peut-être, c'est pas sûr. Peut-être. On prévoit de changer de décor, voilà, pour essayer d'amener un peu plus de fait main. Voilà, on vous en dit pas plus, mais un peu plus de fait main. C'est ça. Un peu plus, de nous-mêmes, un peu. On se rapproche un peu de la nature. Exactement. Voilà, on est déjà un peu comme quelques ça au final. Indices, ouais, surtout toi, je sais très bien que t'es un mec de la campagne. Ah, moi, je suis très bio, moi. Clairement. Je suis. Ah. Ok, c'est relou. Choc mental. Du coup, on va pouvoir enchaîner. On va pouvoir enchaîner comme d'habitude. On va essayer de reprendre un peu le fil conducteur. Donc, on va retrouver la récré dans quelques instants. Un petit mot, Ambre, là, rapidement. C'était le petit mot. C'est l'heure de la récré. Alors, aujourd'hui, pour la récré... David qui dit « J'ai vu la maquette du nouveau décor. Attention à ne pas spoil. » Ouais. Pas faire partager. C'était privé. Du coup, j'ai décidé de vous parler de deux sujets aujourd'hui. Deux sujets, on va commencer par le premier. On est sur du graphisme, on est sur de la communication, on est sur Greenpeace. Alors déjà, est-ce que vous savez ce que c'est Greenpeace ? Oui. D'accord, super, c'est génial. Merci Axel. Peut-être un retour de plus constructif, oui, on y va. Bah, écoute, je pense que tout le monde sait ce que c'est Greenpeace. C'est hyper condescendant. Tout le monde... Non, c'est une association qui défend les droits de la nature, donc des animaux... de l'environnement, c'est ça, au niveau de l'écologie, de la pollution. Et ils sont très forts en général dans la com et ils sont assez provocants, mais ça marche. C'est ça, toi, Ambre, du coup, t'as une petite visibilité, visibilité, mais une vision, ouais. Oui, un petit peu, je connais bien. J'ai déjà vu un petit peu. J'ai entendu des bails. On m'a dit que. Un petit truc, ça y va. Donc, du coup, ouais, c'est un réseau international, c'est une organisation qui a pour but de défendre les droits de la planète et des personnes, d'ailleurs, et des êtres humains, c'est contre la violence, bien sûr. C'est pour protéger l'environnement, protéger les êtres humains, c'est pour tout le monde. Et donc, du coup, ils ont sorti une communication il n'y a pas longtemps, on va la voir dans quelques instants apparaître à l'écran. Une communication en fait où ils ont pris des photos satellites, ils ont enregistré des photos satellites, donc à des coordonnées qui sont très précises dans les forêts du Chili. Donc c'est une agence du Chili qui s'appelle Shell, je suis désolé si je prononce mal.
Alors pas Shell, pas le pétrole. On y revient plus tard d'ailleurs. Okay. Super passerelle. Que... Non, c'est pas ça. Donc voilà. Donc là, on peut voir par exemple donc quelques images prises par satellite, donc avec les coordonnées. Et ils ont décidé de reproduire avec du plastique directement. En fait, tout simplement avec des jeux de lumière, le plastique, etc. L'endroit, l'environnement, parce que c'est des environnements qui ne sont pas visités par l'être humain en règle générale, parce que c'est des forêts qui sont très denses. C'est des forêts qui n'ont pas de route empruntable par des véhicules ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment des randonneurs ou des. Parce qu'on pourrait penser que c'est vachement pollué justement parce que c'est remplacé par du plastique. Et justement, le problème, c'est que ces forêts-là, en fait, se retrouvent extrêmement polluées. On ne sait pas pourquoi, parce qu'on ne voit pas non plus un milliard de personnes qui partent dans la forêt, en fait, tout simplement. Et pourtant, on retrouve quand même des bouts de plastique, on retrouve des sacs plastiques, des trucs de McDo. Enfin, juste, ça n'a aucun sens. Et donc, du coup, pour ça, donc, on peut faire un petit peu défiler. Pour ça, en fait, on voit, voilà, donc là, c'est cette fois-ci les dunes de sable, du Chili aussi, qui se retrouvent, en fait, totalement polluées. Et encore une fois, on ne sait pas vraiment. Donc là, il y a quand même plus de facilité pour partir en voiture. Dessus et donc du coup juste après on peut voir carrément voilà la même photo faite mais cette fois-ci avec du plastique. Ils ont essayé de reproduire les ombres, les lumières et tout ça. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez très rapidement? C'est très bien fait. j'aime bien. Je me sens seul aujourd'hui sur le plateau, c'est super. C'est pas grave. Un petit peu, mais non, mais moi je trouve déjà au niveau technique des photos, etc., c'est fort. Ouais. C'est fort parce qu'ils ont dû du coup reproduire la même lumière qu'il y a dans ces endroits-là. On a d'autres photos ou pas du tout? On a encore deux autres photos, je crois, justement, juste après. Donc là, on a, je ne sais pas exactement où c'est dans le nord du Chili, c'est marqué dessus, c'est le glacier du Chili. Je ne savais même pas qu'il y avait un glacier au Chili, à vrai dire. C'est super, on apprend tous les jours. Il y a tout, vraiment, le Chili, c'est la planète. Bon. Et du coup, ils ont décidé de reproduire ça, encore une fois, avec du plastique et des jeux de lumière. Vous en pensez quoi un peu sur l'impact? Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un réel impact sur notre monde moderne, notre économie moderne, sur le fait que, voilà, on a notre vie, entre guillemets, notre bulle, on est là, et si on voit ça, une affiche comme ça, est-ce que ça vous impacte ou pas? En vrai, oui, parce que ce rapport de... Enfin, la pollution à cause du plastique, etc., on en a parlé dans d'autres émissions en plus, et ça nous touche tous, et on essaye tous de trouver des solutions, mais pas tout le monde s'en rend compte, du coup, en voyant ça comme ça, c'est plus impactant, c'est beaucoup plus fort. Et puis, Greenpeace, quand même, ils ont... Dans tous leurs spots de communication, tous leurs spots de pub, ils ont quand même cette visibilité que les autres n'ont pas. C'est-à-dire que, en fait, Greenpeace, ils affichent partout. Ça va être affiché dans les métros, à mon avis. Et c'est l'association en général qui fait faire plein de changements. Donc, dans tous les cas, la visibilité, je pense qu'elle ne change pas. Mais c'est juste le moyen de communiquer qui est de plus en plus ouf, en fait. Qui est de plus en plus fort. Et justement, donc là, on est sur de la campagne print type affiche et tout ça. Apparemment, on a encore un micro qui grésille un petit peu du côté de Ambre. On essaye de régler ça le plus rapidement possible. Désolé si ça vous dérange. Du coup, ils sont pas du tout à leur coup d'essai. Parce qu'ils ont énormément travaillé justement ce genre de communication ultra choquante et ultra provocante, notamment avec l'affaire de Volkswagen. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler de Volkswagen ces dernières années, notamment entre 2009 et 2015, il y a eu quelques soucis. Est-ce que vous avez 2-3 infos là-dessus? Non. Pas du tout, j'étais très jeune. Ok, bah oui, c'est vrai. C'est vrai que t'étais très jeune. Parce qu'on est quand même en présence d'un 2001 sur le plateau. On peut le dire. C'est pas faux. C'est pas vrai non plus. Si, c'est vrai. Pas en white total, c'est pas grave. C'est pour Paris, ça, du coup. C'est gratuit. C'est encore le best-of. Du coup, non, Volkswagen, donc on va pouvoir le voir dans quelques instants encore une fois, ont décidé. Enfin, il y a eu une énorme polémique, pardon, autour de Volkswagen. Donc voilà, donc là, on a l'affiche de Greenpeace. Je suis ton air, communication digitale et organisation. Ouais. International Greenpeace. Donc en fait Volkswagen ils avaient pendant entre 2009 et 2015 un logiciel. Donc enfin, je vais reprendre depuis le début en fait. Depuis le début, enfin je sais pas si vous savez, mais quand une voiture sort du constructeur, du fabricant, elle doit avoir un certain taux d'émission de carbone. Oui, c'est-à-dire c'est que sur les petites cartes. Voilà, exactement. Et si ça dépasse en fait, c'est le véhicule n'est pas du tout normé et donc du coup personne n'a le droit de le vendre et personne n'a le droit de le conduire. Il est vachement devenu plus bas le taux d'émission. C'est ça. Sauf qu'entre 2009 et 2015 en fait, il y a eu une grosse enquête qui a été ouverte parce que ils ont totalement trafiqué leurs chiffres avec des logiciels qui permettaient de ne pas voir en fait justement cette émission qui était totalement aberrante. Il me semble que c'était 40 fois les normes de base. Ouh. Sur 11 millions de voitures. Ça va pour toi? C'est beaucoup. Ça commence à faire pas mal de voitures qui sont touchées. Et donc du coup, entre 2009 et 2015, il y a 11 millions de voitures qui sont sorties qui polluaient 40 fois plus que le maximum possible. Et donc bien sûr, Greenpeace a vu ça. Ils se sont dit, on va pas laisser passer en fait. Normal. Donc du coup, ils ont décidé de mettre Dark Vador avec son fameux masque.
Et bah, justement, pour respirer son truc Volkswagen, c'est super lourd de sens. Qui sont... Là, c'est ton kiff, ça. Justement, très les trucs qui ont. Voilà. Bon, moi, je suis féru de jeux de mots. Toi, t'adores. Toi, t'adores. Toi, tu vas de Calibre aussi, là, d'ailleurs. Ouais. Hein, de temps en temps. C'est pas l'expression. C'est pas l'expression, mais on y va, c'est chouette. Donc, voilà, donc, je vais vous parler de ça. Et donc, il faut savoir que maintenant, il y a quand même 7 dirigeants du groupe qui ont été. Qui ont été inculpés. De Volkswagen. Ah, bah oui, pas Greenpeace. Oui, de Volkswagen, pardon, qui ont été inculpés. Ça a pris quand même, c'était énorme. Dans les journaux, ça faisait que d'en parler. Justement, fin 2015, il y a eu une énorme, ça a eu un énorme boom, en fait. En général, dans tous les cas, Greenpeace, c'est eux qui lancent aussi les scandales. Souvent, un petit peu souvent Greenpeace, justement, on va revenir un petit peu plus tard. Mais c'est vrai que Greenpease, ils sont quand même, ils sont forts. En vrai, ils sont forts. Vraiment, ils ont réussi à faire des trucs que je pensais même pas que c'était possible de pouvoir contrer. Et donc, il faut savoir qu'il y a plus de 86% des personnes qui ont fait une demande de se faire rembourser sa voiture ou d'avoir un dédommagement qui ont été pris en compte. Et à votre avis, ça fait quel chiffre d'affaires pour Volkswagen ? Enfin, quel pris, pas chiffre d'affaires compte, c'est-à-dire qui ont été remboursés ? Qui ont été remboursés. C'est-à-dire qu'il y a eu 86% des utilisateurs de Volkswagen, qui avaient une voiture Volkswagen, qui ont acheté cette voiture. Voilà, qui avaient donc un problème sur cette émission de carbone, qui ont fait la demande justement de se faire rembourser. Et du coup, à votre avis, ça fait à peu près combien pour Volkswagen à dépenser ? Tu nous as dit 11 millions de véhicules, ouais. 86% de 11. Ça fait beaucoup. Ça fait... Bah, on est sur 9 milliards. On est sur 9 milliards, plus de 9 milliards. 9 milliards ? Voilà, en 2016. C'est énorme. Voilà, depuis 2016, depuis 2016, ils font que donquiller. Ça veut dire que même là, t'es chez toi, t'as ta Volkswagen, tu peux aller te faire rembourser donc parce là, qu'il y a eu encore, cette affaire. Encore maintenant, ils remboursent et encore maintenant, ils payent cet énorme. Enfin, c'est même pas une gaffe en fait, c'est vraiment une énorme connerie. Une et ben, je le dis. Et ils ont pas trouvé de solution depuis toutes ces années. Bah, en fait, le truc c'est que. À 9 milliards, c'est long. À rembourser, ouais, c'est énormément de sous, mais justement, ouais, en fait, le but c'est que sur leur moteur, ils avaient un problème. À la toute fin du processus, entre guillemets, pour que ton moteur, te fasse avancer et crache cette fumée justement qui s'appelle. C'est l'émission de carbone justement ce qu'on mesure pour éviter que on ait trop d'émissions de carbone dans l'air tout simplement. En fait ils ont juste au lieu de chercher une solution à ce problème là ils se sont dit on va enterrer le truc, on va juste faire passer ça sous des logiciels. Est-ce que c'est pas comme Boeing un peu qui avait justement un truc défaillant et qui ont décidé quand même de s'en foutre et de le sortir en série? Bah je suis pas trop renseigné là-dessus, je vais pas te mentir, tu me mets une petite colle, c'est pas, super, j'apprécie, c'est cool. Mais donc du coup, ça a été considéré comme le plus grand et le plus important programme de remboursement de consommation de l'histoire des États-Unis. Parce qu'il faut savoir que sur ces 11 millions de véhicules, il y en avait plus de 3 millions qui étaient destinés aux États-Unis et qui ont été vendus aux États-Unis. Et donc du coup, c'est juste... ouf, enfin genre vraiment honnêtement c'est un truc de malade. Puis ce qui est fou c'est que c'est quand même une grosse affaire et j'en ai jamais entendu parler personnellement. Alors c'est passé dans les médias, c'est vraiment c'est passé dans les médias. Bah, ou alors ils sont forts parce qu'ils ont réussi à remonter quand même assez vite Volkswagen. J'ai l'impression qu'aujourd'hui sur leur vente etc ça se passe bien. Ça a pas trop d'influence. Bah pour l'instant en tout cas on n'a pas trop de répercussions j'ai l'impression sur leur groupe. Après c'est vrai que je me suis pas forcément renseigné donc on va éviter de dire n'importe quoi, mais sur l'idée en tout cas c'est vrai que Volkswagen ça reste quand même un des leaders du marché européen en tout cas justement qui vendent énormément de voitures donc voilà. À savoir aussi que donc du coup forcément puisque Volkswagen a eu ce gros problème, on va dire, ils ont décidé de mener leur enquête sur tous les autres constructeurs et tous les autres revendeurs. Ah, tout simplement pour savoir en fait seuls, pour se dire écoutez Volkswagen a eu 40 fois sur 11 millions de voitures, peut-être que Renault a un problème par exemple. Donc du coup ils sont en train de mener une enquête, encore maintenant l'enquête est en cours. Il n'y a rien qui est sorti pour l'instant. Il n'y a rien qui est sorti, il y a 2-3 fuites à droite à gauche, il y a 2-3 informations du style attention Renault sont à 20 fois plus élevés que la norme. C'est après pour l'instant il n'y a pas encore eu de déclaration officielle ni du groupe Renault ni des personnes qui s'occupent de cette enquête, donc forcément on ne sait pas encore si c'est avéré ou pas. On s'en doute un peu, ça fait partie du jeu, c'est pas un jeu, mais... C'est vrai que Volkswagen et Renault marchent un peu main dans la main au final, donc c'est vrai que, on sait pas. Donc on va continuer un petit peu avec Greenpeace, justement, donc sur leurs affiches qui sont un peu provocantes, et ils ont décidé de quitter l'affiche, plusieurs fois ils quittent l'affiche pour proposer des spots vidéo. Ouais. Est-ce que vous en avez entendu parler un peu des spots vidéo, parce qu'ils sont... lourds, ils sont vraiment lourds de sens. Il y a, on a vu. On a regardé ensemble, je t'ai montré la vidéo qui va suivre, d'ailleurs, on va la voir dans quelques instants. Donc là, cette fois-ci, c'est Lego et Shell, donc Shell qui est l'entreprise qui revend du pétrole, qui s'occupe justement aux États-Unis et en France. Ils ont
pompe à essence. Hein, voilà, clairement, en gros, c'est l'idée. Ont un partenariat avec Lego qui, du coup, force Lego, enfin, force, ils l'ont bien voulu, mais qui font en sorte que Lego fabrique eux-mêmes des stations Shell, des mini-stations Shell. En Lego. En Lego. Okay. Donc, ils font de la publicité de Shell en Lego. Donc là, je crois qu'on vous a coupé le son justement parce que déjà, on va se faire strike. en plus, c'est bon. Et en plus de ça, c'est vraiment déprimant. Mais voilà, dans l'idée, donc, on a une énorme ville Lego. Voilà, on a. C'est super bien fait. Tout, voilà, ouais. Par contre, ils sont trop forts. Genre, ouais, ils sont vraiment trop forts. Et donc, du coup, voilà, on a Shell, drapeau Shell, tout est Shell, Lego est Shell. Et donc, du coup, on va avoir tout qui va se retrouver. Voilà, avec les grands investisseurs. Voilà, tout va se retrouver noyé sous cette espèce de pétrole, un petit peu. Okay. On va pas tout montrer, bien sûr. On va pas tarder à couper la vidéo parce qu'on n'est pas là pour être déprimé. Parce qu'on a déjà eu une belle annonce présidentielle juste avant. Mais voilà, dans l'idée, donc du coup, Lego et Shell ont décidé donc, de faire un partenariat en 2016. Greenpeace est arrivé. Ouais, c'est... Donc, ils ont fait 2 ans de partenariat à 100%, vraiment, en se disant allez, c'est parti, les gars. On fait du Shell. On est là, on fait des entreprises Shell, on fait des mini trucs Shell, on fait tout Shell, c'est parti. Il y a un truc à la clé. Donc. Ah oui, bah, je pense que Lego a reçu un sacré chèque. Hein. Enfin, honnêtement, pour que Lego, enfin, tu vois, c'est quand même un truc c'est de quand même gros déjà de base. Ouais, se retrouve avec, avec Shell. Voilà, super. Voilà. J'avais proposé justement de voir. Donc en fait, on voit directement, c'est des mini des stations essence, en fait, tout simplement, sponsorisées Shell. Donc ils sont vraiment marqués Shell, c'est du gros branding Shell sur du Lego. Donc bah, ça fait un peu mal, en fait. Ça fait un peu mal. Et Greenpeace s'est dit, bah, en fait, on veut pas que nos enfants. On veut pas. Alors, qui est fan de Lego sur le plateau? C'est Axel. Ce sera Axel. C'est lui. Je pense que. Oui. Axel, du coup, une petite remarque sur les Lego? Moi, je vraiment joue au Lego depuis que. Mais depuis tout petit, hein. Depuis tout petit. Mais carrément. Non, mais de toute façon, je pense qu'on a tous. On a tous. Franchement, moi, j'ai kiffé les Lego, je jouais à balle. Exactement. Bon, on est des créatifs, ouais. C'est super, on est des créatifs, mesdames et messieurs, c'est pour ça qu'on joue à Lego. Tu vois, on est ambassadeur Lego, on vous l'a pas dit. Pas du tout. Du coup, on se retrouve avec Greenpeace, du coup, qui se demande, en fait, tout simplement, que les enfants, ils se disent, les enfants jouent avec du Shell, donc c'est pas fou, en termes de. Enfin, le pétrole, tout ça, justement, avec lutter contre. Oui. Parce que Lego, il y a quand même un truc où t'apprends à ton enfant. Ouais, c'est vachement ludique, justement. Bah, t'as un manuel, tu vas monter des trucs. Puis il y a des Lego, en plus, maintenant, on le voit de plus en plus, notamment avec d'autres streamers comme Squeezie, n'importe qui, qui commence à construire des stations l'ISS en Lego, le Taj Mahal en Lego. Et donc, du coup, voilà, il y a Ferrari aussi qui était en partenariat avec Lego. Et du coup, après cette affaire, ils se sont bien enterrés. Ouais. Parce que, donc, du coup, Greenpeace, en 2018, a décidé de porter plainte contre. Greenpeace a décidé. Voilà. Contre Lego, en fait, pour faire pression pour qu'ils arrêtent ces partenariats, pour arrêter de proposer aux enfants des stations Shell, stations Lego Shell, et s'ils veulent une station service, c'est une station service Lego, entre guillemets, donc qui a pas de marque, pas de branding. C'est une Lego City, quoi. Voilà, une Lego City, voilà, tout est super génial. C'est le. On va se faire strike pour ça, je pense. non, et voilà, et justement, donc du coup, ils ont décidé de porter plainte et ils ont gagné. Lego a eu tellement de pression que du coup ils ont dit en fait non, on va pas continuer ce partenariat avec Shell, même si je pense qu'il y avait un énorme chèque à la clé. Mais ce qu'on disait tout à l'heure, au final, du coup, Greenpeace, ils arrivent à faire passer des trucs. Ils font passer des énormes trucs, parce que là on parle quand même de Lego et Shell qui sont, enfin, Shell c'est un géant, enfin c'est vraiment les deux sont dans le pétrole. Et Lego, après, forcément a décidé, c'était aussi politique de leur part, parce que il fallait quand même, bien sûr, montrer une belle image, parce que Lego, ça reste quand même Lego. Voilà, donc je voulais vous parler de ça, de Greenpeace, parce que je trouve qu'ils font des superbes actions pour le coup, et ça marche, en fait, c'est véridique. Quand on parlait de Lego, justement, ils font beaucoup de spots avec des jouets, un petit peu pour enfants, il y a eu Barbie. Dans le reste, dans Greenpeace, justement, ils gardent en fait ce côté Lego, en fait, pour pouvoir toucher tout le monde, tout public, à n'importe quelle échelle. Et il y en a un que j'ai pas mis parce qu'il est beaucoup trop vulgaire. C'est un peu vulgaire, mais c'est un peu un scénario comme ça, mais avec. C'est ça, avec Ken, du coup, qui répond à une interview et qui apprend que Barbie, en fait, fait de la déforestation pour pouvoir s'épiler, avoir son huile de rasage. Et c'est juste génial, en fait, ils sont trop forts, Greenpeace. Dans la com, ils sont trop, trop forts. Carrément. Et donc, du coup, je me suis un peu intéressé à ce qui existait d'autres comme. Spot un peu du moment, un peu de mème, en fait, on peut dire, un peu du troll, justement, avec cette idée de parodier des marques ou de parodier des enseignes. Ouais. Et du coup, je suis tombé sur Burger King. Je suis tombé sur Burger King, qui a décidé de troll l'Ever Given. Est-ce que vous avez entendu parler de cette histoire, l'Ever Given? Ça date d'il y a une semaine, donc déjà, ça a été débloqué lundi. Donc, je vais vous faire un rapide récapitulatif. Donc, en fait, il faut savoir que dans le canal de Suez, il y a
énormément de passages. C'est 10% du passage et du transport maritime qui passe par le canal de Suez. Donc il faut savoir que dans ce canal de Suez là, on a une certaine profondeur d'eau à pouvoir atteindre, que les conteneurs ne peuvent pas, donc les plus gros, les méga porte-conteneurs peuvent passer bien sûr parce que c'est fait pour, mais voilà, on arrive quand même à des problématiques techniques parce qu'on commence à avoir des porte-conteneurs de plus en plus gros. Et il y en a un qui s'est retrouvé bloqué, qui s'est retrouvé en travers. Donc juste, on va voir tout de suite. Voilà, donc le canal de Suez. Donc en fait, on a vraiment cette idée d'avoir 11 mètres sur les côtés au niveau des rivages. On a 20 mètres en dessous de profondeur maximum. Ouais. Et on a en règle générale 15 mètres. Donc c'est-à-dire qu'on n'a que 5 mètres de delta qui peuvent se retrouver... Qui empêche entre guillemets qui permet au bateau justement d'avancer. Et donc du coup lundi dernier il y a l'Ever Given qui a un porte-conteneur de Evergreen qui s'est retrouvé bloqué en plein milieu du canal de Suez, empêchant, écoutez-moi bien, pendant une semaine tout le transport maritime passant par le canal de Suez a été totalement bloqué et interrompu. C'est plus de 450 navires porte-conteneurs destinés justement à livrer en Occident et aux États-Unis. Ça fait beaucoup. Qui se sont retrouvés en fait totalement bloqués. Ouais. Et donc du coup, bien sûr, vous imaginez bien que quand on a 450 navires porte-conteneurs de plus de 22 000 conteneurs, chaque navire qui était censé livrer notamment... pour les nouvelles PS5, les processeurs. Oui, ouais. Donc du coup, on a encore des problèmes. Parce que le PS5, du coup, ça fait depuis novembre dernier qu'ils sont en rupture de stock. Ouais. Ils sont là, ils essayent d'avancer, ils essayent de faire un truc. La semaine dernière, ou il y a une semaine et demie à peu près, qui disait « Oui, pas de panique, les nouvelles PS5. » Ça arrive. Ouais, justement. Ouais. Sauf que du coup, il y a eu ça, en fait. Et du coup, ça bloque toute la chaîne de production, elle est bloquée. Parce que du coup, forcément, les processeurs, ils n'arrivent pas. Donc du coup, ça va retarder les personnes qui vont mettre en place tout ça, qui vont commencer à mettre les logiciel dessus. Enfin, voilà, franchement, c'est n'importe quoi. Et encore, ils ont eu de la chance qu'il n'y ait pas eu d'accident, justement, entre les bateaux, etc. Ils ont eu de la chance. On aurait reparlé de Greenpeace la semaine prochaine. On aurait reparlé encore de Greenpeace, parce que alors là, ça aurait été, mais n'importe quoi. Faut savoir, donc, du coup, qu'ils ont mis une semaine, 24 heures sur 24, pour résoudre ce problème-là de l'Ever Given, qui est... L'Ever Given, donc, oui, juste pour préciser, c'est le bateau, l'Ever Given. Evergreen, c'est le fabricant et la compagnie qui transporte... Et l'Ever Given, si je ne me trompe pas, c'est un des plus gros porte-conteneurs. C'est ça, c'est un des plus gros porte-conteneurs. C'est 220 000 tonnes. Ça va, c'est quand même sur du porte-conteneur. Il y a que des chiffres un peu. Ouais, là, mais là, j'ai décidé de parler un peu de chiffres. Là, on est un peu sur du chiffre. Voilà. Il est quand même sur 300 mètres de large. 50, pardon, n'importe quoi. Je la refais. Le canal de Suez fait 300 mètres de large et le porte-conteneur fait 59 mètres de large, mais plus de 400 mètres de longueur. Voilà. C'est pas mal aussi. Ouais, on est quand même sur 4 stades de foot. Hein. C'est énorme. T'as bossé tes chiffres. Les comparaisons. Et donc le canal de Suez fait 190 km de long, donc forcément quand t'es déjà engagé dans le canal de Suez, tu peux pas faire demi-tour aussi facilement, donc du coup c'est problématique. Ouais. Donc c'est quand même, donc comme je disais, des milliers de conteneurs sur l'Ever Given qui étaient totalement bloqués, et sur tous les autres bateaux qui étaient totalement bloqués. L'Ever Given devait livrer se décharger à Rotterdam. Et donc, il s'est ensablé. Donc, du coup, il y a eu une énorme enquête, parce que vous imaginez bien que pour d'aussi grosses compagnies et d'aussi gros chiffres en jeu, entre guillemets, parce que 22 000 conteneurs contenant de la marchandise, c'est juste énorme, c'est quand même de l'argent, quoi. C'est quand même 6 milliards à 10 milliards par jour qui sont perdus par les compagnies. Voilà, par toutes les compagnies, les 450 navires qui attendaient, le fait d'avoir mis des personnes pour essayer d'empêcher l'Ever Given, enfin de le déplacer et d'essayer de le remettre à flot. Ah bah oui, parce que ça... Bah oui, parce que forcément, quand t'as 220 000 tonnes à bouger, t'y vas pas avec tes bras et ta salopette, bien sûr que non. Et donc du coup, on va pouvoir voir juste 2-3 images avec 2-3 mèmes, forcément. Ah bah oui, du coup, parce que qui ont été faits sur la suite. Donc du coup, on a Burger King qui ont fait une énorme communication. Ils ont mis cette photo-là. Ils ont mis cette photo-là sur Instagram et ils ont mis... Oups, celui-ci, on l'a fait peut-être un peu trop gros. Ils sont forts. Voilà. Ouais. Ils sont vraiment forts. Donc, la publication était en Espagne, Burger King Espagne. Après, on a encore même Mercedes qui a décidé de vanter les mérites de leur F1 avec « Don't worry, we've got this ». Hop, je fais n'importe quoi, c'est mon accent anglais, c'est super. Voilà, donc on a Mercedes qui s'empare. Et ça, c'est génial parce que, donc du coup... Il y a des images qui ont fuité. Je ne sais pas de quand date cette image. Moi, je pense que c'est du montage. Hein. 2021, le,
27 mars, en théorie. Je pense qu'il y a un peu de montage quand même. Mais du coup, il y a eu un accident sur la route en Chine d'un des conteneurs d'Evergreen qui s'est mis à bloquer tout le périph. Donc, c'est génial. On a encore du Evergreen. Evergreen, attention, hein, on est sur du mauvaise société de transport en ce moment. Et donc, du coup, à votre avis, qu'est-ce qui peut causer un tel truc? Comment est-ce qu'on peut bouger 220 000 tonnes de ferraille qui bouge en action transporter... Je sais pas si toi, t'as vu les photos. Non. Ils ont utilisé des grues énormes. Voilà, ils ont transporté avec... ils ont essayé de libérer tout ça avec des grues. De chaque côté, du coup, pour le... C'est comme pour les bateaux. Des trucs que tu passes en dessous et qu'après tu... Ah non, pas du tout. Tu vas pas relever 220 000 tonnes. Ça, oui. Non, du tout. C'est juste qu'il était ensablé. Donc, du coup, ils ont creusé en fait tout ça en trop pour pouvoir le déblayer. Enfin, le dessabler. Au final, c'est le Et donc, à votre avis, qu'est-ce qui a provoqué, à votre avis, cet ensablage, enfin le fait que l'Ever Given soit bloqué? C'est les 130 000 moutons. C'est ça, non? Non, pas du tout. Il y a dans les navires qui étaient bloqués, il y a 130 000 moutons qui étaient bloqués. C'est ça l'info. Qui n'a rien à voir avec 130 000 moutons qui étaient arrivés et qui auraient délibérément, en plus, tous un petit coup de gouvernail là. Hop, Eh bien, apparemment, ça ne serait même pas une faute humaine parce qu'en réalité, ce serait le Khamsin. Le Khamsin, qui est donc une tempête de sable sur 50 jours. Khamsin qui veut dire 50 en égyptien. Il a bossé là pour cette compétition. Et donc du coup, qui avait des rafales de vent à plus de 140 km/h, et donc du coup, qui ont juste en fait déporté le bateau qui était à l'arrêt, en fait, qui attendait justement de pouvoir passer dans les prochains. Donc c'est le vent qui l'a fait dériver. C'est le vent en fait qui l'a fait dériver, qui l'a fait s'enfoncer dans le sable, sauf que 220 000 tonnes qui sont lancées. C'est pas mal. Ça fait mal. Donc du coup, voilà, ils ont passé 24 jours sur 24 à essayer de déblayer ça en fait pendant une semaine. Énorme. Donc c'est 30 000 mètres cubes de sable qui ont été enlevés pour essayer de le déplacer, et c'est 13 remorqueurs. Les remorqueurs, c'est juste énorme. Un remorqueur, c'est genre un porte-avions quasiment en termes de taille. C'est 13 remorqueurs. De côté, ils l'ont tiré. Ouais, voilà, c'est ça. Ils ont essayé de le tirer et de le remettre en place. Et donc du coup, c'est le 29 mars, lundi, où tout s'est remis en place. Sauf qu'on a encore 3 jours, donc on a jusqu'à demain du coup, où ils sont en train de réparer le canal de Suez. Reconstruire. Parce que du coup, le canal de Suez, il s'est fait défoncer sa race. Vraiment, t'as 220 000 tonnes qui ont juste explosé le canal de Suez. Donc voilà, c'est les petites infos. Je voulais vous parler un petit peu de ça, justement, des affiches qu'on peut voir en ce moment qui sont assez marquantes, percutantes. Et justement, en plus, après, on va pouvoir voir un peu avec la régie s'en mêle, un peu la même thématique, super, un peu de la publicité. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous étiez déjà au courant ou si... Et n'hésitez pas à parler dans le chat. On va passer bientôt à l'univers d'Ambre. Ambre, t'as décidé de nous parler de quoi un peu cette semaine? Moi, je vais vous parler cette semaine de photographie. Okay. Dans notre milieu, le design, le graphisme. Ok, ça va être super intéressant. Et toi, du coup, Axel, t'as décidé de parler de... Moi, tout à l'heure, on va parler d'un sujet un peu moins... peut-être un peu moins drôle, mais qui est assez important. Ce sera une plus petite chronique que d'habitude, je pense, sauf si vous réagissez. Ce sera un mouvement qui s'appelle Graphiste en colère. Et c'est un petit peu un mouvement qui existe depuis longtemps et qui exprime le ras-le-bol des graphistes. On est militants aujourd'hui. Ouais, vraiment, on a décidé, on a Greenpeace, on a graphisme en colère, on a de la photographie. Wow. Ça va trop loin. Donc voilà, donc on va se retrouver pour l'univers d'Ambre. C'est l'heure de l'univers d'Ambre. Grésille encore. Alors on nous dit que ça grésille encore, on va essayer de résoudre ça assez rapidement. C'est moi qui grésille ? Non, toi ça va, je pense que c'est le micro qui va grésiller plutôt. Oui, allez, vas-y, c'est parti, je te laisse nous parler donc de photographie, c'est parti, qu'est-ce que tu nous as préparé ? Ok, alors aujourd'hui, pas de mode, hein. Si, un petit peu quand même. Oh, j'ai quand même un petit peu réussi à placer de la mode dans ma chronique. C'est l'univers d'Ambre, c'est l'univers d'Ambre. Vous verrez. Du coup, moi je vais vous parler de la photo et de la place de la photo dans notre univers, le graphisme, le design, etc. Et en fait, il faut savoir que c'est pas la photographisme. Le photographisme, pardon, ça n'a rien à voir avec ce que je vais vous parler. Le photographisme, c'est une sorte de photographie où en gros, tu récupères en noir et blanc les demi-teintes qui sont supprimées au tirage, etc., qui sont souvent exposées. Il y en a beaucoup au Centre Pompidou. C'est pas du tout du photomontage, des trucs comme ça, non. C'est une sorte de photo, c'est une technique de photo. Okay. Et ça s'appelle le photographisme. Ok, ça marche. Voilà. Et j'ai trouvé ça parce que je cherchais la photographie et le graphisme. Et du coup, je voulais juste faire un petit point comme quoi c'est deux
deux choses différentes. Donc moi, je vais vraiment parler de la place de la photo. Vous savez ce que c'est la photographie. On fait tout de la photo. Ah non. Ah ouais, carrément, bien sûr, surtout en plus là, avec toute la vidéo qu'on a, forcément, la photo, on s'y intéresse énormément. Ouais, bah voilà. Et... Et allez, c'est le moment. T'as dû faire une petite tête dans le. J'ai vraiment juste regardé la régie, bah c'est parti. Non, mais en fait. Ah, t'as pas rigolé longtemps aujourd'hui. Non, bah non. Ça va revenir. Ouais. On m'a dit qu'on me frappait si je. On te. Toujours juste là. Écoutez pas. Non, mais c'est faux. On a une dédicace pour les premières années. Ah oui, ce qu'on vous a pas dit, on a des étudiants qui sont présents avec nous aujourd'hui dans la salle, sur le plateau. Donc. Bonjour à vous. Bienvenue. Voilà, bienvenue. Est-ce qu'on peut avoir de l'applause pour Ambre, s'il vous plaît? Ouais. Ouais, wow, ça c'est stylé et tout. Ça c'est génial. Je veux ça tous les jours. Hein. Je me sens touchée là. À chaque fois qu'elle fait une blague, il faut un truc à applaudir. Ouais. Applaudir. Même si t'es nul. Non, alors, en soi, la photographie, j'ai décidé d'en parler parce que ça touche tout le monde. Tout le monde touche à la photographie, que tu sois dans le domaine artistique ou pas. De par les réseaux sociaux, tout le monde a des réseaux sociaux, tout le monde fait des photos pour les poster, etc. La blogosphère. C'est la blogosphère. Je pense que je le récale à chaque émission, ce mot vraiment. La blogosphère. Et c'est reparti. Dur. T'avais raison. J'aurais pas dû. T'avais raison. Désolé. Est-ce qu'on peut avoir des applaudissements? Ouais. On dirait que c'est enregistré, c'est merde. Ah ouais, c'est la blogosphère. Sur la blogosphère, du coup. Ouais, sur la blogosphère. Sur le net. Ça va être compliqué, vraiment. Je suis le pire. Non, mais alors, la photographie s'emploie à tous les supports, que ce soit en impression fine, art. Donc, impression fine, art, c'est une sorte d'impression pour les affiches print qui sont diffusées un petit peu dans la rue, partout. Donc, c'est vraiment très délicat. C'est pas l'imprimante qu'on a à l'école où tu mets... Oui, c'est pas un gros truc qui t'abasse. Voilà, c'est ça. Jusqu'à la photographie sur Internet, donc de par les sites Internet, de par les réseaux sociaux, etc. Dans le marketing, on appelle ça la picture marketing. Enfin, picture marketing, pas la picture marketing. Avec un petit accent, mais elle fait même pas. La picture marketing. Yes, moi, j'ai pas trop d'accent, non, tu vois. Donc, ouais. Peut-être un petit essai rapide. Juste, on essaye. Non. D'accord, on essaie ça. Je propose des trucs. Oui. Non, mais ouais. Je veux qu'on ait des clips en vue. Ah, donc c'est la picture marketing. Oh. On applaudit, ouais. Allez, enfin. C'est trop bien. Et donc en fait, c'est ce qui veut dire, c'est la stratégie de valorisation par l'image. Donc parce que être créatif, c'est savoir s'inspirer. Les imprimantes qu'on a à l'école. Est-ce que tu veux avec la clé USB? Un peu plus. Fin. C'est plus fine. On va te laisser. On est insoutenable. Vas-y. Donc du coup, être créatif, c'est savoir s'inspirer, assimiler cette inspiration pour la remanier, etc. Et en fait, il ne faut pas oublier que quand tu utilises la photographie, c'est aussi un moyen d'expression. Elle parle aussi d'elle-même. Donc du coup, le plus important en tant que graphiste ou en général pour utiliser une photographie, c'est de choisir de faire le bon choix de par la réalisation de la photo, donc ce qu'elle transmet, oui. Moi. Ou d'autre part, par la qualité de l'image, parce que c'est... Pourquoi tu rigoles? C'est Maël. j'ai absolument rien fait, je pense qu'il y a non, oui, vas-y, poursuis. Ok, alors du coup, moi je vais vous montrer aujourd'hui différents moyens d'utiliser la photographie, il n'y en a pas énormément, mais on va voir donc la photographie avec de l'illustration. Okay. Parce que le graphisme, ce n'est pas que de l'illustration. Même pour des projets, nous, on utilise la photographie quand on fait des affiches ou des choses comme ça. Donc là, c'est pas Raphaël. On est sur quelqu'un qui... Ces images-là, c'est pas Raphaël. C'est tout sauf. C'est Damien Gosset et Carole Mouret. C'est des jeunes artistes qui ont mélangé la photo Polaroid avec des dessins par-dessus pour illustrer cette photo. D'accord, ok. Je sais pas si vous avez vu la pub de 7 Up. Il y a une pub de 7 Up qui doit dater. Peut-être, alors,
Je lance un truc. Paul à la régie, si t'arrives à trouver, t'es incroyable. Je continue de parler. Dans 5 secondes. Dans 5 secondes. Il y a une pub justement sur 7up où ils avaient en fait justement animé ce genre d'image. C'est vrai. Okay. Donc en fait, c'est vraiment de l'image par image, encore une fois, mais avec le même principe. Donc d'avoir des espèces de cartons, des espèces de, de papier transparent sur lesquels ils dessinent pour justement rendre l'image en fait beaucoup plus intéressante. C'est ça. Et pendant que Paul cherche, c'est quoi justement? Ils ont pris avec par exemple une feuille de plexi où ils ont dessiné dessus, ou alors ils ont dessiné directement sur les fichiers? Sur le Polaroid. Sur le Polaroid directement, ils ont dessiné, donc ils ont posé l'encre sur le Polaroid, sur la photo. Ok. D'accord. Moi, de ce que j'ai vu, mais normalement, oui, c'est ça qu'ils ont fait. Et c'est pour rendre, du coup, le côté plus réel avec l'imaginaire, en fait. Ouais, pour créer des petites histoires à la base. C'est ça. Juste, Paul, on a une petite info, ce serait Fido Dido 7up. Voilà. Merci, Cécile. Merci, Cécile. Elle sait tout. Elle sait tout. Mais du coup, ouais, je trouvais ça intéressant de... Bah, on va voir la pub. Donc comme ça on pourra faire toi tu le lances, Paul, tu le lances, alors, tu t'as pas fait de, il t'a pas fait de signe, tu le lances. Ouais, je le lance, mais pas la pub de moi, la pub de toi, hein. C'est Ben Up là. Oui, bah justement, on attend peut-être qu'il la trouve avant. Justement, il l'a trouvé, on va pouvoir l'écouter. Je sais pas si c'est ça pour le coup. Bah si c'est pas ça, c'est très dommage, Paul. Alors c'est pas exactement celle-là à laquelle je pensais, mais remarque qu'on... C'est pas du tout ça. Parce que là au final c'est... Bah, ouais, si, c'est... ça c'est... On arrive quand même à quelque chose qui n'est pas la chose au final. Mais c'est pas grave, c'est juste du dessin, c'est juste de l'animation 2D. C'est sympa. C'est pas grave, c'est sympa, on arrive tant plus pis, ou moins à être... Mais c'est pas grave. Mais du coup, pour en revenir au fait que tu peux utiliser la photographie et l'animer en faisant parler ton imagination, parce que oui, comme tu penses que t'allais dire Axel, c'est des photos qui sont neutres, tu vas dans la rue, tu prends un mur... C'est exactement ce que j'allais dire. Ouais, tu vois, je... Et après, tu crées un univers sur cette photo, tu vois. On va aussi voir la photographie avec encore de l'illustration style graphe un peu typo de Raphaël à ce moment-là. Ah, là c'est Raphaël. Raphaël. Ouais, mais ça c'est son style. Ça c'est son style. C'est sa signature en plus. Ouais. Et du coup, il a pris des photos portraits lambda, on va dire. Bon, il a vécu longtemps. Hein. Quoi? Ah non, je disais juste qu'il avait vécu longtemps. Mais tu le connais? Ah non, c'est parce qu'il a pris en photo Albert Einstein quand même. Non, mais il a repris sur Internet en fait. Ah oh. Et du coup, il a repris des photos qui sont normalement basiques pour en faire quelque chose de plus artistique, etc., qui parle beaucoup plus et tout. Ah, pour toi, graffer sur du Einstein comme ça, c'est artistique? Bah bien sûr, c'est un moyen d'expression qui tu vois, c'est une blague de la part d'Axel. Peut-être justement, Axel, exprime-toi peut-être un peu plus sur ce que tu penses de ce genre d'art. Voilà, oh, trop de choses qui me viennent à l'esprit, mais je parlerai après Ambre, vas-y, continue. Ouais. Non mais en soi moi j'ai fini. C'est pour faire quoi? J'ai pas fini. C'est pour faire quoi? C'est pour ça sert à quoi de faire ça? Bah c'est un... C'est pas du jugement. Non mais je sais très bien, c'est juste qu'elle a fini. Mais non mais j'ai pas fini. D'accord, vas-y, continue. Vas-y. Attendez, on peut pas faire une pause là. Tu veux faire une pause, d'accord, pas de souci, on va reprendre. Du coup, effectivement, on a quand même cette espèce d'art qui peut revenir, en fait, justement, avec le photographisme, comme t'expliquais, avec justement l'idée de pouvoir graffer directement sur des dessins. Et là, comme on a vu avec les portraits, c'est super intéressant. Je trouve que ça ramène une belle dimension et en fait, on peut même créer un nouveau décor. On peut rajouter des détails qu'il n'y avait pas avant. Parce que là, on était quand même sur un graphe qui était très lourd avec un gros stylo. Mais dans l'idée, on peut quand même imaginer d'avoir, genre vraiment un énorme décor refait tout à la main, tout au papier, quitte à avoir justement cette idée de réalisme dans le crayon. Ça. En fait, il mixe deux formes. C'est ça, c'est super intéressant. C'est honnêtement. Et là, on va voir du coup, juste après, c'est une affiche, enfin c'est une photographie qui a été mise en affiche du coup avec de la typo incrustée manuscritement dans, qui se perd en fait dans la photographie, donc tout se mélange comme on peut le voir. Oh, d'accord. Okay. Et en fait, ça a un côté hyper graphique, c'est très parlant, tu vois ça, tu t'aimerais savoir parce que d'un côté, tu comprends pas trop ce qui est écrit. On dirait du dessin. Le dessin est hyper bien fait. Alors pour le coup, en fait, tu comprends. Tu vois pas trop ce que la typo est écrite, enfin tu comprends pas ce qui est écrit entre guillemets avec la typographie, par contre tu comprends totalement le sens. Là je pense que c'est quand même assez évident qu'on voit l'idée de la musique. De la musique. Ouais. C'est super évident, le mec qui bug pour l'idée de... Aide-moi s'il te plaît, aide-moi là. C'est la musique quoi. Et donc ouais. On a bugué comme ça. C'est ta chronique, hein, écoute. Okay. Mais ouais, moi je suis hyper affiche moi. Et oui, c'est vrai que pour le déjà, coup... Déjà, c'est super bien fait, il y a tout de respecté, le sens de lecture, tout. Mais et c'est puis, ça. En fait, on confond. Ouais. Là, dans celui d'avant, on voyait bien que c'était deux univers totalement distincts, graphisme et photo.
Là, c'est vraiment c'est fusionné. Quoi. Ouais, c'est ça, on essaie au final de se rapprocher un petit peu de la colorimétrie ou justement de l'ambiance en fait, que dégage directement. Mais en fait, surtout là, tu as l'impression que la typo, elle est dans la photo. Qu'au moment où tu as pris la photo, il y avait déjà la typo comme ça, tu vois, que ça n'a pas été rajouté. Soit après. Ça, soit juste vraiment un dessin hyper bien fait, crayon de papier. Donc, ouais, ça porte à confusion. Et donc, du coup, juste la typographie, elle a été rajoutée à la main. Dans quel sens ? Est-ce que ça a été directement avec une typographie avec, je sais plus comment on appelle ça, vous savez, les pochoirs, l'espèce de pochoir à tampon, typographie. Pochoir. Ça a... Oui. Alors, okay, je sais vois. Pas vraiment, vraiment comment ça a été réalisé parce que j'ai pas trouvé plus d'informations sur cette. Mais je pense que ça a été rajouté. Ça a été directement dessiné dessus. Ouais. Okay. Ensuite, là, du coup, on va voir différentes affiches. Les prints. Bon, on va pas avoir différentes affiches. Je suis désolé si vous avez envie, mais non, on va pas avoir deux affiches. C'est Raphaël. C'est des montages aussi. Si on peut le voir, voilà, c'est différentes affiches où tu utilises encore de la photo, de la typographie et un peu de l'illustration, par exemple, on peut le voir sur l'affiche à gauche. Ouais. Et en fait, du coup, là, j'ai choisi ce genre d'affiche, donc je les ai prises sur Pinterest, vraiment. Et donc, j'ai pas les sources, c'est pour ça que je dis ça. Ok. Et en gros, on peut se rendre compte que tu peux créer un univers et toute une affiche par de la photo, mais pas que. Et tu peux très bien associer la photo avec le dessin, avec la typographie, etc. etc. Donc il y en a d'autres juste après. C'est un petit peu aussi le même style, c'est minimaliste. Et pourtant, tu vois pas forcément la photographie, enfin l'élément fort de cette affiche. Ouais. C'est pas forcément la photographie, tu vois, c'est plus c'est le mélange, l'assemblage. C'est justement voilà, le fait que tout se retrouve bien ensemble au final et on a une belle composition. C'est ça. Malgré que ce soit bien composé, carré et tout, il y a un côté un petit peu torturé, je trouve. Ouais, c'est ça. Dans les photos déjà directement. Dans les photos, dans les photos et on dans le noir et blanc, avec le grain, justement. Mais c'est ça. Mais là, c'est vrai que pour le coup, on se retrouve quand même plus avec du graphisme un peu plus basique. Enfin, je veux dire, on s'éloigne un petit peu plus du photographisme et on est quand même plus sur de la composition d'image avec de la photographie et justement essayer de combiner typographie, illustration quand on peut en avoir. Donc là, il n'y en avait pas forcément sur les deux photos. Mmh. Et justement, les photographies... pour pouvoir avoir justement une affiche entre guillemets bien réalisée. Mmh. Ouais, mais je suis totalement d'accord. Et justement, pour en revenir à toi, quand tu parlais de la photo un petit peu déstructurée, là, par exemple, on va voir des affiches pour la marque Stussy. C'est ça le nom de la marque? Je n'ai jamais entendu. J'ai eu peur de me tromper dans la prononciation. Mais en gros, là, vous allez voir, c'est deux photographies qui ont été prises donc, avec un but précis. Donc en fait, quand le photographe est arrivé... Non, c'est juste après. Voilà. C'était super sympa par contre. C'était vachement bien. C'était vraiment cool. C'était ça quand je disais que du coup, l'élément, c'était plus forcément la photographie, c'était plus minimaliste et tout se mélangeait aussi. Donc là, par exemple, c'est des affiches de pub pour cette marque. Ouais. Et là, tu vois, par exemple, avant de faire l'affiche, ils savaient exactement, déjà, ils ont leur typo forte, qui est leur logo, etc. Mais ils savaient ce qu'ils voulaient prendre en photo. En fait, souvent, tu vas utiliser la photo parce que tu as ton idée et que tu vas rechercher une photo qui correspond à ton idée. Comme Albert Einstein et tout. Exactement. C'est le même procédé, sauf que là, quand ils prennent la photo, ils savent déjà où ils vont mettre le graphe. En fait, ils ont une DA pour la photo. Ouais. Alors que, par exemple, quand tu vas prendre une photo comme ça, libre de droit ou qui est connue, ta DA, tu l'as sur autre chose, mais tu prends l'élément pour la rajouter, tu vois. Et du coup, c'est...
On est de retour. Je suis désolé si ça a bugué. On a encore plein de problèmes. On a eu une énorme perte de co. On est vraiment désolé. Franchement, on s'excuse. Je sais que je dis beaucoup désolé, mais parce que pour le coup, c'était pas du tout prévu. Donc du coup, on était c'est sur. Vrai que ça... pas souvent. Ça arrive pas souvent. Bah, on a eu une première fois ça sur le premier live, mais voilà, on essaye de faire de notre mieux. En tout cas, on a Paul à la régie qui est en sueur. Vraiment, faut le savoir. Ouais. Gros big up à Paul. Paul, un petit mot pour nous donner l'état de la situation. Nous expliquer ce qui se passe. Bah là, c'est compliqué. On a un PC. En fait, il fait chaud aujourd'hui. Il a fait super chaud et le PC, il a directement décidé d'avoir beaucoup trop chaud. Ça encourage Paul. C'est super. Ouais. Quel. Mais c'est parti. On continue le live. On en prend dans la bonne humeur et la bonne ambiance. Donc du coup, voilà, on était sur. c'est trop compliqué de reprendre comme ça. On était sur de l'affiche. L'affiche et la photographie. C'est ça. J'étais en train de regarder. Ouais. Et bah là, j'allais vous montrer. Bah, on regardait les affiches des marques. Bah, du coup, on a vu celle de Stussy. Ouais. C'est toujours une marque qu'on ne connaît pas. Mais c'est après, juste après, on peut voir du coup, ben pour Yves Saint Laurent, là par exemple, ils ont pas besoin de mots forts. Tu mets juste Saint Laurent, donc c'est déjà leur nouveau logo, c'est comme ça. On avait pu le voir dans ta chronique un jour, Axel. Mm-hmm. Et là par exemple, juste en dessous, on voit l'adresse à Paris du magasin Saint Laurent. Ouais. Et l'élément fort de cette affiche, c'est la photo qui est un petit peu marquante. Par exemple, à droite, c'est un spot qui est dans la rue, en fait. Et du coup, tu t'arrêtes parce que c'est une photo quand même qui est là. T'as Saint Laurent aussi. Qui t'interpelle. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Donc, t'as ce côté où c'est Saint Laurent, mais t'as le côté où la photo parle d'elle-même, où c'est un peu un monde extravagant comme représente la marque, etc., etc. Ensuite, on peut voir d'autres photomontages, comme par exemple le Coca-Cola. Avec Jean-Paul Gaultier ou par exemple pour l'affiche de pub Nike. Là, j'ai montré ça pour montrer que c'est parti aussi. Tu utilises la photographie comme élément principal. Ouais. Donc, tu peux le voir avec Jean-Paul Gaultier. En dessous, c'est une photographie. Dans le carré, c'est une photographie. Et ils ont fait un photomontage. Sur l'affiche, en général, surtout de la publicité, le médium principal, c'est la photographie. C'est la photographie, ouais. C'est vrai que la photographie, c'est ultra percutant. Et justement, on a ce côté-là avec la photographie d'avoir vraiment une direction artistique qui est donnée et une ambiance, une tonalité. On a vraiment énormément de choses qui nous donnent une photographie qui va avoir du sens, du poids. Ouais. Bah, comme on peut voir là, en fait, tout simplement. C'est un exercice supplémentaire, même pour les photographes, de faire des photographies qui vont s'adapter quand tu n'es pas sur Photoshop, qui vont pouvoir recevoir du texte, etc. Ouais, c'est exactement ça. Et là, du coup, moi, les dernières photos que je vais vous montrer, c'est des photos. Là, du coup, il y a encore un photomontage scandale. Donc, c'est pareil, tu vois, c'est une photo et ils l'ont introduit pour créer ce côté un petit peu. Waouh, qui va arrêter les gens dans la rue et qui va marquer. Juste après, donc là, c'est aussi deux photographies d'affiches. Donc, une sur Abbé Pierre, donc c'est par rapport aux hommes qui vivent à la rue. Et l'autre, c'est de Nike avec Colin Keeper Nike. Donc là, ça sera plus dans l'émotion, comme les photos juste après, où en gros, tu vas utiliser la photographie. Qui est assez émotive et tu vas juste rajouter un texte par-dessus, mais l'élément fort qui va te marquer, c'est le texte, mais aussi la photographie, donc on peut le voir juste après. Surtout avec les yeux. Les voilà, yeux, on a clairement une énorme émotion qui est donnée. D'ailleurs, Colin, il n'avait pas fait une grosse polémique, justement ? Si, c'est un gros coup de pub qui a... Enfin, genre, ça fait polémique aux États-Unis parce que c'est un joueur hyper connu et il n'avait pas sa place forcément pour la publicité Nike. Ah oui, c'est ça, ouais. Ok. C'est ça. Oui, c'est... Mais du coup, c'est vrai que pour le coup, là, on a quand même une émotion qui est transmise, qui est ultra percutante, notamment yeux, pour la fondation Abbé Pierre, avec la personne qui est très marquée du visage. C'est ça. Donc, vraiment, on a un contraste en plus avec ses yeux. Pour le coup, c'est vraiment. C'est vraiment pas mal. Et là, les trois dernières images que je vais vous montrer, du coup, vous les avez déjà vues en backstage, mais on va les voir ensemble. Donc, On les a vues à longtemps aussi. D'accord, on peut y aller. Excusez-moi, je voulais juste donner mon avis. Donc, c'est sur LinkedIn un post qu'il y a eu sur LinkedIn où ils ont repris des photographies de personnes qui vivent à la rue qui sont très tristes parce que c'est des moyens de vie qui sont médiocres. Ou par-dessus, ils ont mis le logo de Yves Saint Laurent mélangé Yves sans logement. Ouais, ensuite, c'est de la reprise etc. Là, c'est exactement ça. On a Jean-Paul Gallaire. C'est un peu de la parodie, justement, de marques et de... C'est ça. C'est de la parodie parce que d'un côté, ce sont des marques de luxe. Et du coup, qui dit de luxe, dit gros moyens face à la misère et la pauvreté. Mais en soi, là, le but que je vous le montre, c'est plus pour la photographie
qui marque, quoi. Enfin, tu prends une photo comme ça, tu rajoutes... Ouais, Christian dehors, quand même. Un élément, mais... C'est pas drôle. Ouais, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Non, c'est juste que je dis vraiment, parce que c'est justement, c'est percutant, le fait justement de pouvoir récupérer... C'est vachement percutant. Oui, et puis ça marche vachement bien. La reprise de logo, c'est vachement percutant dans la plupart des cas, donc... Enfin voilà, du coup c'était juste pour vous montrer les différents moyens d'utiliser la photographie dans tous les aspects digital, graphisme, design, etc. Et que même si t'es pro ou pas pro, c'est tout le monde le touche à ça. Okay. Du coup je voulais savoir un petit peu ce que vous en pensez. Écoute, pour le coup, justement, je pense qu'on a bien donné notre avis sur tout le long. En tout cas, c'est vrai que la photographie, c'est un énorme moyen justement de pouvoir s'exprimer et pouvoir justement en plus lier ça avec de l'illustration. Pour le coup, c'est ultra, ultra intéressant. Ça fait vachement appel aussi à la créativité parce que de la photo, à la base, c'est du réel, c'est vraiment de la prise de ce qu'on voit. Ouais. Et du coup, de détourner ça un petit peu avec d'autres choses, c'est vachement bien fait. Ouais. Donc, super intéressant. Merci beaucoup Ambre, en tout cas c'était l'univers d'Ambre avec énormément de problèmes, donc je suis désolé pour toi si ça va pas dans ta vie du coup, mais il y a des parallèles, on fait des parallèles de la psychologie de comptoir. Non mais merci beaucoup en tout cas, c'était super intéressant. Ouais. Christian Dehors m'a pas mal marqué, honnêtement c'est vraiment ultra percutant comme série qu'ils ont fait. Du coup on va pouvoir enchaîner rapidement avec Axel vient débattre, on va essayer tu vas essayer de nous animer ça, nous rajouter un peu de gaieté. On va essayer pas du tout parce que ton truc c'est des graphistes en colère, c'est vrai, donc... Et ça va le faire, ça va être... Oh Pierre, tu fais un superbe sourire et ton rire de prince. C'est l'heure d'Axel vient débattre. J'aime le faire. Ok, c'était une transition hyper bizarre. Donc aujourd'hui, on va parler du mouvement graphiste en colère. Donc on va parler des origines du mécontentement des graphismes, ça rigole à côté. C'est parce qu'en fait, juste pour vous expliquer très rapidement, vous avez pas du tout le backstage, mais de notre côté, on a vraiment eu un Paul qui a fait on revient maintenant. Ok, let's go. Excuse-moi du coup, c'est très rigolo. Et du coup, voilà, je disais, on va parler du mouvement des graphistes en colère. On va parler des origines de leur mécontentement et un petit peu des points à retenir, parce qu'il faut savoir que c'est un mouvement qui est assez méconnu quand même, qui fait parler de lui quelques fois, mais si tu touches pas au monde du graphisme, tu connais pas, vous devez le connaître de nom peut-être. Ouais bah de fou, bah après moi honnêtement je suis vachement dans cet engagement là, justement bah tu vas mieux l'expliquer que moi parce que c'est le principe, c'est ça. Mais dans l'idée ouais je suis à fond sur le graphiste en colère, okay. Enfin vraiment l'idée de, bah je vais te laisser expliquer parce que sinon je vais tout dire. En fait, d'abord on va remettre un petit contexte pour ceux qui connaissent pas du tout, donc en ce moment, comme on le dit presque à chaque fois, il y a de plus en plus d'innovations, de création d'entreprises, de business, et ces entreprises communiquent énormément et surtout massivement. Je suis un journaliste aujourd'hui. Et du coup, qui dit création d'entreprise dit communication, dit graphisme. Est-ce qu'on peut le revoir s'il vous plaît ça? Il est bien fait, hein. Je suis désolé pour vos oreilles, je sais pas du tout ce que ça rend. Écoute, bien joué. Mais dis-moi, Axel. C'est ça. Et du coup. Là où le mouvement intervient, c'est qu'en général, ils critiquent, on est passé vachement sérieusement d'un coup, ils critiquent la façon dont les clients de toute taille, donc que ce soit des particuliers, des grosses entreprises... Grâce à ça, tu es considéré comme un rossignol, c'est clippé, et il est très fort ce Axel, dis-moi. Merci, ça fait plaisir. Et du coup... Merci, toi aussi. Merci, toi aussi. Et du coup... arrête avec tes du coup, vraiment... du coup, ouais. Du coup, pardon. Un peu agressif, on du parle, coup. Ouais, je suis désolée. On parle vraiment de quelque chose d'hyper sérieux, en fait, et on rigole. Non, mais donc ce qu'ils critiquent, c'est la façon dont les clients de toute taille, un petit peu, les considèrent, et on se pointe de vue sur leur profession. Donc le manque de considération, il s'exprime par plusieurs biais, donc on va les énumérer, en parler, vous allez me donner vos avis. Et vous allez me donner vos avis aussi. Non, t'as le cherché ta gamme. Du coup, elle est là. Oui, du coup, il y a trois raisons principales. Excusez-moi, mais c'est super compliqué. Je suis désolé. Cette émission est délétère. Non, on est désolé, bah, si on rigole beaucoup, c'est parce qu'avec les problèmes techniques, forcément, ça met un peu la pression. C'est ça. Du coup, on reparlait des raisons de graphistes en colère. Donc, une des principales raisons, c'est j'ai chopé ça sur Télérama. Selon un article du site, il y a un peu plus de 200 graphistes qui ont signé une pétition
contre des appels d'offres un petit peu négatifs, irrespectueux. Et donc, un exemple récurrent qu'on donne souvent, c'est une structure qui décide de renouveler sa charte graphique. Elle va contacter beaucoup de graphistes et au final, elle va en rémunérer un seul, celui qu'elle choisit. Et du coup, la problématique, c'est que les autres travaillent, remplissent des formulaires administratifs qui sont vachement longs quand tu réponds à un appel d'offres. Ouais, ça prend énormément de temps justement à créer, en fait, tout simplement, c'est à proposer quelque chose. Plus créer ton concept ensuite et pour au final, rien à voir derrière. Donc, c'est une des premières raisons. Ensuite, en deuxième, on a le paiement. Donc, je ne sais pas si vous prenez des projets, des fois, de clients qui vous contactent. De temps en temps. Ouais. C'est ça. Pas du tout. On ne prend pas de projet. On ne fait pas d'argent. Non, pas d'argent. Et du coup, la plupart, ce paiement qui est assez faible, il vient du fait que la plupart des personnes en France n'ont pas énormément de culture graphique par rapport à des pays comme les pays nordiques, les pays scandinaves. Qui eux, là où un peu est né le style suisse, etc., où eux, ils ont vachement une culture graphique et où la profession est vachement respectée. Et du coup, les gens ne se rendent pas compte forcément de la quantité de travail qu'il y a. Ils ont des budgets beaucoup trop bas pour les réalisations qu'ils demandent. On a Vincent Perrotet, sur un article de Vincent Perrotet, qui est un graphiste assez connu, notamment dans l'affiche typographique, qui va intervenir dans notre école. C'est ça, exactement. Et du coup, qui dit... on leur propose 500 € pour une étude graphique qui dure 10 jours. Donc 500 € pour 10 jours, c'est pas énorme. Ouais. Surtout qu'on oublie souvent, mais en général, les graphistes, les vrais graphistes, ont fait 3 à 5 ans d'études. Donc il y a quand même quelque chose derrière. Parce qu'il faut savoir que quand on est graphiste, on n'est pas que des techniciens, on est aussi des personnes qui vont réfléchir, qui vont avoir une direction. C'est ça. C'est hyper intéressant, vas-y. Bah voilà, justement, je voulais juste rappeler que justement, le métier de graphiste, en fait, ça ne consiste pas juste à appuyer sur des boutons et faire des courbes et être bon. C'est-à-dire que dans le sens où il y a quand même une recherche, il y a une direction artistique qui est donnée, on a quand même énormément de... Il faut avoir une énorme culture, une énorme recherche, enfin, il faut vraiment avoir... Le manque de culture graphique, justement, il vient du fait que nous... On apprend vachement la signification des formes, des couleurs, etc. Et ça, dans l'esprit des gens, c'est rien du tout. Ils savent pas. Et justement, on se dit, un graphiste, tu lui envoies un brief hyper détaillé. Il te fait ça. C'est juste quelqu'un qui sait se servir d'un logiciel, un technicien, comme tu dis. Alors que souvent, dans un projet, tu vas mettre plus de temps à faire de la veille graphique qu'à faire la réalisation de ton projet. C'est ça. La direction artistique, en fait, a trouvé ce que tu vas faire. Et ensuite, tu le fais en deux secondes. Mais c'est vraiment l'aboutissement de toute cette pensée qui est rémunérée à la fin. Carrément, ouais. On a aussi, du coup, un truc qu'on connaît beaucoup tous, les gratuistes. Justement, je voulais en parler, mais c'est tant bien que t'en parles. Et les sites qui proposent des logos gratuits, tu peux parler des gratuistes de minutes. Non, mais vas-y, je te laisse introduire le sujet, je réagirai. Gratuiste, en général, c'est soit un freelance, soit une structure qui fait du graphisme bien en dessous des prix, mais qui a pas beaucoup de légitimité, parce que justement, il n'y a pas toute cette réflexion derrière, et comme tu disais, c'est un peu des techniciens. Et ils sont vachement mal vus dans le métier parce que forcément, si t'es client, que tu demandes un projet, t'as un bon graphiste qui va réfléchir, etc., qui va proposer un budget vachement haut, mais t'as un gratuit justement qui va te proposer un prix vachement bas pour un projet qui passe visuellement en fait. Mais où il n'y aura rien derrière. Et du coup, ce n'est pas du graphisme au final, c'est du blending, comme on en parlait. Et justement, par rapport à ça, on a quand même des sites internet maintenant qui sont construits autour du fait de rendre gratuit les commandes. Exactement. Et je te vois tout. On n'a pas travaillé ensemble. Tu veux que j'en parle? Ok, super. Alors justement, pour expliquer, pour remettre en contexte très rapidement, on a des sites internet comme Wix ou Freepik ou de ce genre de sites internet en fait qui vont proposer des logos juste en rentrant le nom de ta marque. Ils vont proposer des logos tout simplement gratuitement. C'est ça. Et à pouvoir réutiliser comme tu veux. Enfin, il me semble que tu payes, mais 2 €, je crois. Wix, Logo Maker, c'est des trucs gratuits. Il y a plein de trucs gratuits. Ouais, voilà, c'est gratuit. Et le problème, c'est que du coup, ça va enlever de la commande aux graphistes qui ont fait des études, qui ont réfléchi pour tout ça. Et du coup, on a des logos qui n'ont plus aucun sens. On aura des logos qui n'auront que juste. C'est un logo gratuit en 2 minutes. Tout le monde peut avoir le même parce que tout le monde peut le trouver beau. Et au final, on perd. C'est pas ça le graphisme. Et en fait, le graphisme, comme je l'ai vu passer, ça produit du sens. Et c'est vrai que c'est bien trouvé. Mais justement, contre... Voilà, Logo Maker, exactement. Paul à la régie, s'il vous plaît. Paul qui se fait une petite entreprise de promenage de chiens. On a l'idée, en fait, on peut juste venir personnaliser très rapidement. Donc c'est joli, mais il n'y a rien derrière, des logos qui se ressemblent. Et justement, il y a eu une action en 2014, il me semble, parce que
les graphistes en colère, c'est depuis les années 2010-2012. Ah, donc ça date quand même. Aujourd'hui, c'est encore d'actualité et on n'en entend pas énormément parler. C'est un peu dommage, mais justement, il y a WeLogo, qui à l'époque, c'était une des plus grosses plateformes qui proposait des logos gratuits en deux minutes, qui a fermé en 2014, du coup. Ok, donc du coup, on a quand même des mouvements qui sont proposés, et justement, un peu comme Greenpeace à plus petite échelle, mais qui justement arrivent quand même à faire des actions pour pouvoir protéger les graphistes. Mais on a quand même Wix Logo Maker, Canva, etc. Ouais. Quoi. Et un dernier petit point, c'est le marketing. Donc on en parlait, il prend le dessus, et les graphistes, comme tu disais encore tout à l'heure, pourri ma chronique... Je suis vraiment désolé. Hein Les graphistes, on va juste leur demander quelque chose de bien précis, un brief hyper précis par un client, et lui, il va juste être le technicien de ça. Donc, il n'y a pas de travail de DA qui est quand même la base du graphisme, au final, comme on le répète un petit peu depuis tout à l'heure. Donc, est-ce que déjà, vous avez déjà connu ce genre de situation? Est-ce que vous avez entendu parler du mouvement? Est-ce que vous avez un avis dessus? Alors, du coup, moi, j'avais déjà pas mal parlé, donc je vais te laisser parler, Ambre. Alors, moi, j'avais jamais entendu... Enfin, j'avais entendu vite fait ce mouvement-là. Je savais pas vraiment à quoi ça consistait. Mais en tout cas, moi, je suis pour ou contre. Moi, je suis contre le fait d'utiliser des logiciels. Je sais plus. Il faut m'aider. C'est ton c'est avis. De l'autre ton... côté. C'est très une private joke, ça, quand même. Vraiment. Mais du coup, il était plutôt pour le fait que. C'est pour le fait que justement, on gueule un peu. Ouais, c'est exactement ça. Parce que je suis contre le fait que notre métier il soit utilisé par des sites internet, quoi. Enfin, fait par des sites internet. Après, il y a des gens qui réagissent en disant oui, mais c'est trop cher, etc. Mais justement, ça vient du manque de culture graphique qu'on a dans le pays parce que on n'est pas. Formé à ça du tout. Nous, on est dans le graphisme, mais avant d'être dans cette école, on n'y connaissait rien, tout ça. On savait pas qu'il y avait des métiers derrière, de la réflexion. Ouais, on savait pas qu'il y avait autant de choses, en fait. On avait autant de choses derrière tout ça. Et justement, pour parler juste d'une petite anecdote personnelle qui m'est arrivée, donc je propose de temps en temps des dessins pour des gens, et on m'a demandé de faire un dessin. Donc voilà, je réfléchis avec la cliente, etc. Je commence à lui faire bon, d'accord, qu'est-ce que tu veux, comment, etc. Donc vraiment, on a une grosse conversation et arrive le moment où on parle de paiement. Parce que, encore une fois, je vais pas faire ça gratuitement, en fait. c'est cool, c'est super enrichissant, mais ça prend du temps. Il faut savoir qu'un dessin, c'est. Je passe souvent 12 heures dessus. Ouais. Donc c'est vraiment pas juste. C'est pas juste faire du dessin pour faire du dessin, quoi. C'est vraiment. Il y a quand même du temps qui est passé. Il y a des essais, il y a des ratés. Enfin voilà, faut y aller. Et elle me dit tout simplement, du coup, je pensais que tu allais le faire gratuitement. Et là, j'étais en mode, non. Dans la tête des gens, justement, c'est il va le faire gratuitement pour valoriser son portfolio, pour avoir de la matière. Mais on en a de la matière au final. Ouais. Il y avait eu un scandale un petit peu avec Squeezie, je sais plus si vous vous souvenez. Alors ouais, justement, je voulais en parler aussi un petit peu par rapport aux appels d'offres. Tu veux que j'en parle ou vas-y, tu veux en parler? Parle-en. Comme tu veux. Tu dois être plus calé que moi. Alors justement, Squeezie a changé donc un décor en 3D. Il a fait son décor en 3D. Donc du coup, il a fait un énorme appel d'offres à tous les graphistes de France. Il a dit proposez-moi, enfin tous les maquettistes de France, enfin toutes les personnes en tout cas qui ont les compétences de 3D, ouais. 3D pour pouvoir lui créer un décor, proposez-moi justement en fait votre meilleur décor, le décor que vous souhaitez, le décor qui correspond le plus possible à ma chaîne, à moi, et allez-y quoi, impressionnez-moi. Donc il a posté ça, et quelques jours plus tard, il a commencé à y avoir une sorte de mouvance Twitter. Je sais pas s'il y avait pas un peu graphiste en colère dedans. Il devait y avoir graphiste en colère dedans, mais de toute manière en tout cas, la scène Twitter s'est totalement retournée, et même les réseaux sociaux sont bien retournés en règle générale. Parce que du coup, on parle quand même de, imaginons, 10 000 à 15 000, peut-être à beaucoup plus, à 50 000 personnes qui vont travailler, qui vont passer du temps. Et je vous parlais de dessin de terre, c'est 12 heures, mais faire une maquette 3D réaliste du niveau de Squeezie, qui est quand même le premier YouTuber français, on est quand même sur un taf qui doit être qualitatif. Après, c'est des heures. Excusez pour ça, parce que justement, manque de culture graphique, ils ne connaissaient pas bien la situation, ils ne savaient pas qu'il y avait un mouvement en ce moment, ils s'en sont excusés, mais c'était un peu maladroit. Quoi. C'est ça, parce qu'au final, si on devait combiner toutes les heures des personnes qui ont travaillé dessus, on serait déjà sur plusieurs années en fait, regroupés en un peu de temps. C'est-à-dire qu'on a 50 000 personnes qui vont travailler 6 jours sur le projet, pour pas être rémunéré, pour qu'il n'y en ait qu'un seul qui soit rémunéré au final. Donc, bien sûr, pour la personne qui est choisie, c'est ouf. Et l'expérience, elle va être superbe. On va avoir un super truc. Valorisant. Tu vas être payé. Enfin, tu vois, dans l'idée, c'est super cool. Le principe est vraiment chouette. Surtout qu'en plus, il y a une belle communauté. Pour les heures de travail qu'ils ont fournies. C'est ça. Et donc, du coup, on a vraiment ce côté-là, au final, où on a cette espèce de rupture entre ce qui est possible de faire et ce qui est compliqué à faire, justement, avec des gens qui vont pas travailler pour rien, quoi. Et comme je vois passer, tout travail mérite salaire, exactement, ouais. Tout travail mérite salaire, et pour le coup, c'est compliqué. Je sais pas si les gens du chat ont... Ça va gérer un petit peu. Ouais. Je trouve ça dommage de perdre le propre style du graphisme aussi, même si on lui impose des trucs, c'est justement si son style
te plaît, pardon, que tu vas l'engager. Dans le sens où, du coup, j'imagine que voilà, tu vas prendre un graphiste pour son style. Parce que c'est beau. Je suis totalement d'accord. C'est comme pour les tatoueurs, par exemple. Hein. Exactement, voilà. C'est exactement pareil. Par rapport à son style, mais à son style. Mais le style n'empêche pas d'avoir une réflexion derrière. Ah oui, bien sûr. Bah ça, par exemple, on l'apprend à l'école. Hein. On fait pas forcément. Enfin, dans nos études, on fait pas non plus des projets qui vont correspondre toujours à nos styles et le rendu sera nous. Mais des fois, oui, et ça t'apprend aussi à faire des demandes et à sortir de ça. Ouais, carrément. Exactement. Et justement, on a même d'autres. On a d'autres. Okay. Bah, merci de réagir. D'autres personnes qui réagissent et qui nous disent après, une entreprise ou une personne qui veut avoir une bonne identité graphique se tournera vers une agence ou un freelance. Je pense que les personnes qui utilisent les solutions gratuites cherchent juste un truc pour dépanner. C'est vrai qu'il y a ça c'est aussi. C'est ça. Mais les appels d'offres des grosses entreprises, par exemple, je prends un truc, le Louvre, il me semble, avait refait une campagne d'affiches. Ils ont fait un appel d'offres et ils ont rémunéré que. Une personne. Donc, mais j'imagine plus que c'était pour la conception de logo et le fait de créer son entreprise. C'est ça. Bah, ça touche un petit peu à tout, mais en général, la conception de logo, si tu veux un truc bien fait, tu vas contacter des graphistes et tu connais un peu parce que tu as un pôle communication dans ton entreprise. Donc, c'est vrai qu'on a quand même aussi des tailles d'entreprise et on discutait avec des professionnels du milieu qui nous disaient que justement, bah, forcément, quand on a Toyota qui vient nous démarcher pour faire un logo, ça sera bien différent que quand on a une épicerie du coin qui va ouvrir et qui veut juste avoir un logo un peu atypique. Bah, parce que des marketing où Toyota va plus imposer. C'est ça, bah, forcément, on a quand même des visions. Déjà, la vision qui sera différente et aussi des moyens qui vont être différents. Ah, c'est sûr. On va vraiment avoir des budgets sur Toyota qui vont être de l'ordre de, je sais pas en fait. Je sais pas du tout, mais qui vont être bien plus importants, en tout cas que l'épicerie qui va vendre son pain et ses petites son épicerie, tout simplement. Mais pour conclure, du coup, en France, il n'y a pas beaucoup de culture graphique. Bah, on est un petit peu là pour ça, nous, pour vulgariser le truc, pour que ce soit un peu accessible à tout le monde, pour expliquer. Contrairement, du coup, aux pays nordiques où ils sont vachement respectés, et je pense que ça commence à prendre de l'ampleur un petit peu, les gens commencent à se rendre compte parce que c'est quand même un mouvement qui date de 2010. Bah, de plus en plus, ouais, c'est sûr, parce qu'on a quand même, justement, Squeezie a un peu fait éclater ça et a fait connaître un peu ce mouvement-là au final, et ce qui est super pour nous graphistes, parce que bon, c'est un peu embêtant de travailler gratuitement, on va pas se mentir. Donc, du coup, bah, c'est chouette justement de pouvoir se dire que tout le monde se réveille un petit peu et commence à avoir cette espèce de culture qu'on aimerait attendre. On va pouvoir passer dans quelques instants à la régie sans mail et cette fois-ci vous a préparé du lourd. Cette fois-ci j'espère que vous êtes bien tous accrochés à votre canapé, sur votre chaise, n'importe où, là où vous êtes en tout cas, parce que Paul a fait du bon travail. Paul il est partout les gars, genre Paul il est là, il a son arrêtez de me survendre vraiment. il est là regarde, il est juste là, il arrive, il s'est mis un micro pour pouvoir communiquer avec vous, il est partout vraiment. Si tu veux tu viens ici faire le truc tout seul à un moment donné. Quand tu veux. Bah, en vrai si vous avez en vrai pas en faux, la prochaine fois, en tout cas, s'il y a plus... on va faire un truc. Oh, ça va être horrible. On va essayer de faire des espèces de jeux un peu sur nos réseaux sociaux pour justement amener Paul sur le plateau. Pourquoi pas, si vous remportez les jeux, ça peut être intéressant. Ou faire gagner Paul directement, ce serait super. Ouais, Paul, bravo, t'as gagné une Switch. Pas du tout. On va bientôt pouvoir passer à la régie sans mail. Mais bon, en fait, on va y passer maintenant. C'est l'heure de la régie sans mail. C'est parti. Je m'en mêle les pinceaux, là. Coucou les loulous, c'est la régie. Savez-vous que la publicité a aussi des loupés ? Aujourd'hui, on s'en mêle. Dans la publicité, la moindre maladresse déclenche un bad buzz qui envahit la toile. C'est pour cela que je vous ai concocté une petite poignée de campagnes marketing plutôt récentes qui ont suscité beaucoup de critiques. Il est plutôt osé de s'essayer à l'humour, tout d'abord parce que tout le monde n'est pas réceptif aux mêmes blagues et aussi parce qu'il arrive parfois de faire de l'humour déplacé. C'est le cas de Numéricable avec leur affiche téléchargée aussi vite que votre femme change d'avis. Cette phrase jugée sexiste a suscité de nombreuses réactions négatives, notamment sur les réseaux sociaux. Et cela conduit certaines personnes à boycotter la marque. Afin de se rattraper, Numéricab va sortir une deuxième affiche en visant cette fois-ci le mari avec la phrase « Téléchargez aussi vite que votre mari oublie ses promesses ». Beaucoup pensent que cette deuxième affiche est bricolée à la va-vite et ça ne va absolument pas arranger les choses. Mais en termes de pub sexiste, il y a aussi Perrier. Leur campagne avec un sous-entendu sexuel va susciter autant de réactions que pour Numéricab. La seule différence, c'est que cette fois-ci, la marque va assumer pleinement cet humour et va décliner l'affiche sous différentes formes.
Selon Perrier, leur intention était uniquement de faire rire. À vous de juger. En 2018, H&M sort une publicité immédiatement jugée raciste. La photo d'un enfant noir portant un sweat avec comme inscription « Le singe le plus cool de la jungle » a beaucoup été critiquée. Cette pub a d'ailleurs été retirée peu de temps après sa sortie. Mais il n'y a pas que la communication visuelle qui peut susciter de gros bad buzz. Comme on peut le voir ici, c'est avec fierté que le community manager de Pôle emploi relaie un classement des sites internet les plus fréquentés. Une fierté un peu trop grande puisqu'il n'hésitera pas à qualifier le site de Pôle emploi de site internet préféré des Français dans sa catégorie. Et les réactions ne furent vraiment pas celles attendues. Une entreprise de services funéraires a elle aussi tenté de faire de l'humour. Cette affiche qui propose différents services funéraires était située au loin à l'opposé d'une plateforme de métro avec comme phrase principale « Approche-toi un peu plus ». Pour lire l'adresse, il fallait vraiment s'approcher beaucoup des rails en mettant possiblement sa vie et sa sécurité en danger. Lorsqu'on sort une campagne de pub, il faut aussi se méfier des visuels cachés. Dans une annonce publicitaire, l'entreprise JCPenney a placé l'image d'une théière avec la légende suivante « Les cloches et les sifflets dont tu as besoin ». Le problème, c'est que les consommateurs ont y vu une nette ressemblance avec Hitler. Le bec de la théière avec la cloche montrait le geste du salut fasciste, le couvercle ressemblait à la moustache d'Hitler, tandis que la poignée rappelait le contour de la coiffure du dictateur. L'entreprise reçut de nombreuses plaintes et la pub a dû être supprimée. Bon allez, on termine cette chronique avec un spot publicitaire vidéo cette fois-ci. En 2012, Cuisinella met en scène un faux sniper tirant sur des passants en pleine rue. Apeurées, les trois victimes réalisent qu'elles sont touchées par de simples boules de peinture rouge. Puis des ambulances débarquent en quelques secondes, emportant les faux blessés qui tentent de s'échapper. Direction les pompes funèbres où ils finissent par être enfermés dans des cercueils. Des caméras infrarouges filment les visages paniqués des dupés, qui finalement parviennent à ouvrir le cercueil situé au beau milieu d'un magasin Cuisinella. La publicité censée faire rire se termine sur le slogan « Profitez-en pendant qu'il est encore temps ». Face au flot de critiques, la marque décide rapidement de retirer la vidéo de YouTube, mais il est déjà trop tard. Des internautes ont eu le temps de la télécharger et continuent de la partager. Et oui, la publicité comporte certains risques. Bon bah voilà les loulous, c'était la régie, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao! Merci beaucoup, je vous avais dit que la régie sans mail aujourd'hui elle était incroyable, c'était j'espère lourd. En tout cas que vous avez kiffé, je vois que c'était lourd, terrible. Comme d'hab, mais elle fait un carton cette chronique. Ah, la chronique de la régie sans mail, ouais. C'est pas mal quand même, on a quand même des trucs. Peut-être un petit mot Paul sur toi, ton ressenti de ton côté Bah, super chronique de ton moi côté. J'adore ma chronique. Super. Le mec pas du tout objectif. Propre tout ça, super, lourd, top, nickel. Bah voilà. Non mais moi j'avais juste une question, parce que du coup quand j'ai fait le montage, je me suis posé la question, quel est le plus choquant pour vous en termes, voilà, enfin, quel entre truc le sexisme, plus choqué. Le racisme, etc., qu'est-ce qui se passe? Tout est chaud en vrai. Tout est chaud. Enfin, on a quand même le racisme qui était bien là. On était quand cas, même sur un que truc. Je vous ai montré, qu'est-ce qui vous a choqué le plus? Pour moi, mention spéciale sur le sniper et le kidnapping. Ah, là, sur Cuisinella, toi plutôt. C'est pas tout simplement tu poses une affiche, ça choque les gens, c'est. Tu choques les gens directement, tu vas les chercher quoi. Ouais, j'avoue que là quand même on est dans loin, un quand cercueil, tu flippes et tu te réveilles au milieu d'une cuisine. Ouais, non mais oui. Tu penses que t'es mort, c'est on t'a décevant. Emmené aux pompes funèbres et on t'a fait la totale. Il y a eu une ambulance, t'es perdu dans ta tête, t'es confus et là un coup tu te réveilles, on te dit bravo, vous avez gagné une cuisine. À la limite, on t'offre un tas d'argent énorme à la fin, ça valait le coup. Mais là, surtout, c'est quoi le rapport? Cuisine. Surtout, imagine, tu peux pas accueillir la cuisine. Tu fais quoi? T'es content? Pas content? T'es pas mort? Super. Mais c'est ça. Mais c'est maladroit. Bon, après, je pense qu'ils ont rigolé à la fin, les gens, mais même ça choque quoi. C'est... Bah, et comment tu peux rigoler de ça? Bah, je sais pas en fait. Tu peux pas rigoler après. Mais je comprends en fait qu'ils aient totalement supprimé la bande après parce que genre en fait tu viens juste de kidnapper des gens. Mais oui, tu les as mis dans un cercueil fermé. On va faire ça pour le spot. Mais non mais ouais c'est ça. Mais... Ah on a quand même la pub H&M horrible. J'avoue que la pub H&M avec elles sont toutes mais, horribles. Alors moi juste celle qui me choque pas le plus en termes de sens mais celle que je comprends pas en fait c'est le truc de la théière. Enfin,
Ouais. Tout le monde voit Hitler. Enfin, je veux dire, on le voit, et ça veut dire qu'il y a des gens qui ont validé la publicité. En plus, c'est compliqué parce qu'il y a des validations, mais dans tous les sens. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui ont vu cette pub, plein de trucs, et tout le monde a dit ouais, bon. On la sort. Ouais, let's go en fait. C'est meilleur pub. C'est HM aussi le singe le plus fun de la C'est pub. Ça, ouais. C'est le singe le plus cool de la savane, c'est ça. À un moment, ça se voit. Le singe le plus cool de la jungle. C'est comme celle du métro aussi, où en gros, si tu veux aller dans la direction, t'es obligé d'aller sur les rails. En fait, elles sont toutes. Non, mais ouais. Elles sont toutes appelées. Enfin, ok, encore une fois. Justement, la pub pour le métro, enfin pour les pompes funèbres dans le métro, je ne comprends pas que tu mettes autant les gens en danger sciemment. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, on peut porter plainte contre toi parce que tu as fait en sorte que les gens se fassent écraser par un métro. Si tu tombes, tu pourras même pas appeler les pompes funèbres pour. ça marchera pas la pub. Bah oui, parce que toutes les cibles qu'elle touche, elle meurt au final. Donc au final, la cible, elle est mal cherchée. C'est plutôt les gens qui vont appeler pour ton décès qu'il faut. Ils vont retrouver devant l'affiche. Et au final, ils n'ont pas de clients. Au final, ils n'ont pas de clients parce qu'ils sont tous morts, en fait. Non, mais surtout qu'en plus, de base, dans les métros, s'il y a des morts, c'est par accident. Donc là, en gros, c'est te dire, tu veux... Tu pousses à l'accident. Vas-y. Genre, ça va loin. Ça va. Et toi, Paul, de ton côté, c'est laquelle qui t'a le plus marqué au montage? Je pense que c'est comme vous. Elles m'ont toutes un peu marqué. Okay. J'ai vu des trucs plus choquants, mais je les ai pas mis. Ouais, mais j'imagine. Mais justement, on discutait en off un petit peu de toutes les pubs choquantes qu'on a pu voir. Mmh. Franchement, il y en a. On peut même pas les diffuser parce qu'elles sont vraiment beaucoup trop choquantes pour le coup. Mais il y en a qui sont vraiment en plus assumées des fois. Ouais. Mais genre, c'est choquant et assumé. C'est ça. Enfin, pour le coup. Après, là, je vous ai mis des pubs qui étaient récentes. La plus vieille, je crois, date de 2012. Mais si on remonte dans les années 70-80, il y en a, très lourd. Ouais. Et qu'il y avait du coup des mœurs qui étaient totalement différents, donc du coup forcément que ça changeait encore la donne parce qu'ils se rendaient peut-être pas compte qu'ils étaient aussi racistes par exemple. On sait pas encore, mais peut-être que les formats vidéo comme la chronique de Paul, elles seront disponibles sur nos réseaux. Ouais, du coup, parce qu'on rappelle qu'on a des réseaux, on a un Instagram et un Twitter. Ah, il se place. Oh là 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 là, Coup, le spot.talkshow sur Instagram, il me semble, et le spot Talk Show sur Twitter aussi. Ouais. Les deux points Talk Show, il me semble. Et voilà, on nous dit aussi Benetton, c'était hardcore. Et justement, Benetton ils ont fait une chronique dessus. Ouais, ouais, on a déjà fait une chronique justement sur. Qu'on va pouvoir retrouver sur les réseaux sociaux, encore une fois. Abonnez-vous. Il l'a dit. Non, attendez. Si, mais non. Bref. on a par exemple Benetton qui ont fait des campagnes de pub, mais horribles. Enfin, dans le sens où elles étaient vraiment lourdes de sens. Par exemple, on avait. Au début, c'était du génie. Après, c'était. Et après, ouais, c'est parti très vite n'importe comment. Mais justement, je voulais en parler dans ma chronique. Enfin, au début, je voulais mettre des photos de Toscani et de Benetton, mais Paul avait déjà fait une chronique sur ça. Ah, super. mais là, par exemple, là, c'est pareil. C'est une photo, c'est un photographe qui a pris la photo qui est hyper choquante et ça veut tout dire. Et juste, tu places le petit logo Benetton. C'est vrai. Non, ouais, c'est vrai qu'en fait, pour le coup, à chaque fois, je me dis, il y a des gens qui ont décidé de faire la direction artistique de ça. Ça veut dire que pour une numéricable, je vais peut-être me tromper dans la formulation, mais vous jamais. C'est quoi, Paul, exactement la formulation de numéricable là, avec la femme? Télécharger aussi vite que votre femme change d'avis, il me semble. C'est ça, voilà, c'est ça. Exactement. Ça veut dire qu'il y a quand même quelqu'un qui a écrit cette phrase qui a été approuvée par tout le monde. Enfin, on est quand même là-dessus. Mais c'est comme pour la boisson à caractère sexuel, là. Justement, il y a tout ça. Bah, enfin, voilà. Du coup, on voulait vous parler un petit peu de la publicité. Après, excuse-moi de te couper. Après, il faut savoir que la provocation, c'est aussi un style de communication. Bien sûr. Mais quand c'est assumé. Quand c'est assumé et quand c'est dit à l'avance et que les consommateurs sont habitués à ça, ça choque moins et c'est normal, c'est leur politique. Mais disons que quand ils font ça une fois de temps en temps, là, et que ça dérape. Il faut aussi savoir doser. Quoi. Ouais, mais par exemple, on avait un truc qu'on ne pouvait pas montrer non plus, mais on avait quand même la redoute avec des enfants devant et des gens nus derrière, des hommes nus derrière. C'était très dérangeant. Il y a des trucs comme ça qu'on peut pas comprendre. En tout cas, merci beaucoup à Paul à la régie. En tout cas, on va pouvoir continuer. Et on va pouvoir enchaîner sur le quiz. On va pouvoir enchaîner sur le quiz. Cette semaine, j'ai essayé de faire un truc un peu plus général. J'espère qu'il y aura de la bagarre. J'espère que vous allez encore battre Axel et Ambre. Parce que pour l'instant, vous n'avez jamais fini premier du classement. Ah si, une fois. J'ai fini une fois premier du classement. Je ne m'en vanterai pas. Tu t'en rends pas. Attends, peut-être que tu peux t'en vanter maintenant. Ambre, c'est le moment. C'est le moment. Pour le moment, moi, j'ai un point face à 3 points de Axel. Mais c'est pas perdu. C'est pas grave. Tu vas peut-être te rattraper cette fois-ci. Et je compte sur Vico. Ouais, Vico, je sais pas s'il est là, s'il nous regarde. Vico, la dernière fois qui a roulé sur tout le monde. Qui a écrasé tout le monde. Et vraiment, Vico. J'espère qu'il n'est pas là. On verra. J'espère qu'il est là. On verra. Donc, c'est l'heure du quiz. Tous à vos téléphones, c'est l'heure du quiz.
Comme d'habitude, je vous laisse prendre vos téléphones, allez sur kaout.it et vous allez rentrer le code qui va bientôt s'afficher à l'écran. On laisse d'abord nos participants sur plateau rentrer dans la room et allez-y, c'est parti, on va pouvoir y aller. Ah, il y a Vico qui est là. Les gars, il y a Vico qui est là, Vico qui va vous remettre la pâtée. En plus, il est chaud là. Hein. Il est chaud, il s'est entraîné, okay. Il a fait que ça. C'est parti. Bon bah GG Vico, bien joué, à la semaine prochaine. Ah, il faut pas être défaitiste, ne vous en faites pas. Vico, il est atteignable, ne vous inquiétez pas. Alors, Vico quand même, sacré joueur, très compétiteur. Très, très bon joueur, dernière fois, hein. Il a fait une seule erreur, je crois. Sur 15 questions, une seule erreur, vraiment, il a... Heureusement très, très qu'on bon fait... jeu la dernière fois. Ouais. Bah, là, on va essayer de reproduire. On a CC, si c'est Cécile, c'est génial. Oh, ouais. Allez, madame. Allez-y, connectez-vous, on va essayer de lancer dans pas trop longtemps. On va lancer d'ici une petite minute. En tout cas, dites-nous ce que vous avez pensé. C'est pas Cécile. Une autre CC. Dites-nous ce que vous pensez un petit peu du live, de nos chroniques, tout ça. S'il y a des choses à changer, si vous avez 2-3 informations pour nous, ce serait super intéressant d'avoir vos retours et de savoir ce qu'on pourrait améliorer en fait. Exactement, c'est la base du truc. Hein. Ouais, de toute façon, il y a plein de choses qui vont arriver. Donc, normalement, la qualité supérieure devrait arriver avec. On va essayer de vous proposer un contenu plus qualitatif, même en termes de tout, ça sera plus qualitatif. Putain, on a des gens qui participent aujourd'hui. Hein. Bah, merci beaucoup, oui. D'habitude, on était la dernière fois, on était à 10, là on est à 15, c'est 5 de plus, on est sur 15 questions. Les gens du public. C'est le public. On a Dev Dev. Beaucoup de répétitions. On va pouvoir lancer. Dev Dev. Allez, c'est parti, mesdames et messieurs. Première question, un petit peu de culture générale, mais cette fois-ci sur les animaux, un peu de culture animale. Quel est le seul oiseau du monde à pouvoir voler à reculons? Est-ce que c'est la mésange, le martin-pêcheur, le colibri ou le moineau? Quel est le seul oiseau du monde à pouvoir voler à reculons? Alors, cette info, je l'ai trouvée. Il faut le dire que je l'ai cherché, donc ça veut dire dans mon navigateur, là... Il doit y avoir des choses Il y a des trucs de taré. À chaque fois, les questions, elles sont... Okay, alors à votre avis c'était quoi? C'était le colibri. Oh, il y a tellement personne qui le savait. Pardon. Attends, 10 personnes qui l'ont. Hein. Bah 10 personnes sur 15, c'est quand même pas mal. Hein. On est quand même sur plus de 50% qui étaient au courant. Oh, Axel premier. C'est pas moi. C'est Alex. Ouais. C'est Alex premier. Bah du coup. Tu m'as fait une fausse. Bien joué Alex. Comme je vous le rappelle encore une fois, plus on répond rapidement aux questions, plus on a de points, et plus on répond de fois aux questions justes. Ou faux. On a des quand tu réponds à plein de questions justes d'affilée, tu as un bonus de points. Oui. Tu as un bonus de points. On va pouvoir continuer. Donc là, le petit classement qui commence à se dessiner un petit peu. On est sur la première question. Réplique de film. On ne laisse pas bébé dans un coin. De quel film est tirée cette réplique? Fame, Dirty Dancing, Flashdance ou Titanic? Moi, je sais. J'en ai aucune idée. Ben, soit le cinéphile, tu n'as aucune idée. Je suis désolé. Là, c'est vrai? Oh, je suis déçu. Merci. Ça juge. Là, j'espère que t'es le seul à s'être trompé. Ce serait magnifique. Attention, yeah. Et c'était Dirty Dancing, bien sûr. Oh, l'accent, waouh. C'est la Jimmy Flash Dance. Non, je n'ai pas vu Dirty Dancing. Ah, alors voilà, on commence à voir Vico. Vico, ça y est. Vico, il a dit, les gars, j'arrive. Ambre, t'as gagné 4 places d'un coup. Bien joué à toi. Donc, on a Alex qui domine le classement avec 1800 points. Ah, on a Max qui le suit de très près. Lulu, Isley. Attention, tout peut se jouer. On a quand même 15 questions. On est sur la deuxième question. On va pouvoir continuer tranquillement. On va pouvoir continuer avec un petit peu de graphisme. On en a beaucoup parlé. Donc, du coup, lequel de ces graphistes n'existe pas? Sol Bass, Tabs, Mario Maracas ou Kunstel et Degas? Sachant que c'est Tabas et j'ai fait une faute de frappe. Voilà, je suis content. Je viens de le voir. Ok, c'est. Là, j'ai peur vraiment de... T'as peur? Parce qu'attention, pour l'instant, attention, tu mènes 3 points à 1 pour Ambre. Je suis 15e là du classement, clairement. C'est peut-être pas la mienne ce soir. Hein. Et c'était Mario Maracas, et voilà. Yes. Je l'ai aussi. Tu l'as? Je suis passé 6e, moi. Bien vu. Alors, on va voir un peu comment le classement, on va voir un peu comment le classement a bougé. Et Vico qui gagne encore, et les gars, c'est monstrueux. On a Axel qui a gagné 5 places sur celui-là. On a Lulu qui monte première du classement, 2500 points. Lulu, elle se met à l'aise, elle se met confortable. On a Max qui est juste derrière, Vico qui est 3ème. Vico, en fait, il a fait première question, j'ai eu faux. D'accord, j'arrive. J'arrive, les gars. Attends, je me concentre. À chaque fois. On a Gou et Alex qui sont encore au classement. Vous êtes absent du classement pour l'instant. Je suis 6ème, moi. T'es 6ème, t'es juste avant Axel, toi tu es? Je suis 10ème. 10ème, ok, on va voir. Tout n'est pas joué encore une fois, on va repasser à la question d'après. Alors, quel est le plus important gaz à effet de serre produit par l'humain? Est-ce que c'est l'acétylène, le dioxyde de carbone, le butane ou le propane?
J'ai essayé de faire un peu de tout hein, cette fois-ci. Hein. J'ai essayé de faire un peu, de toucher un peu tous les. Pour que tout le monde ait sa chance. Toujours les mêmes domaines, mais. Oui, voilà, j'essaie juste de toucher un peu. Mais c'est cool. Un peu tout pour que tout le monde ait sa chance. C'est cool de se détacher un peu du graphisme et de. Et de. Alors attention, la réponse c'était le dioxyde de carbone. 11 personnes qui ont répondu. C'est juste 5ème. On a Arme qui arrive sur le classement. C'est rare. C'est le même à chaque fois. Et voilà, c'était le dioxyde de carbone. On va voir tout de suite le classement quand il bouge. Vico, 4 bonnes réponses d'affilée. Attention à Vico. On a quand même le classement qui bouge pas trop. On a Ambre. Ambre, bien joué, t'es arrivé. Merci madame. C'est la première fois depuis longtemps qu'on t'a pas vu ici. Non, mais c'est chouette, justement. Attention, parle pas mal parce que là, on est en train de gagner. Hein. Je suis très content pour toi si tu gagnes. On a Lulu qui domine le classement. Bien joué à toi, Lulu. On va pouvoir continuer, enchaîner. On va repartir un petit peu sur de l'animal. Quel poisson possède environ 700 dents? Le goujon, le brochet, la carpe ou la truite? Voilà, c'est très spécifique. Hein. C'est très spécifique. Mes recherches on est sur les animaux aujourd'hui, c'est ça? On est sur un peu tout. Voilà, on est sur les animaux, du film. On est sur un peu de. Mais comment de on tout. Sait ça, nous? Comment tu sais ça? Bah, c'est de la culture G. Soit tu sais pas. C'est ou bonne chance. C'est comme tu le sens. C'est comme tu le sens. Oh. Et c'était le brochet. Mais attends, par contre, juste c'est impressionnant. Ah non, mais et. Je suis descendu vite. T'es descendu parce que t'as pas répondu assez vite, je pense. Parce qu'encore une fois, on va voir le classement tout de suite à quoi ça ressemble. Lulu qui conserve pas sa place. On a Vico, je suis désolé. Vico, alors arrête-toi. Je sais que Max, tu es premier pour l'instant et tu domines quand même de plus de 500 points. C'est mais super, Vico mais Vico, il est chaud. Genre, ouais. Attention à toi. T'as intérêt de gagner, Max, parce que là, il est juste derrière toi. On a Lulu, Isley, Hello dans le classement. Vico, deuxième. On va pouvoir enchaîner, on va pouvoir continuer un petit peu. Cette fois-ci, réplique de film. Groupir, il faut rester groupir. Alors, la 7ème compagnie, la grande vadrouille, le gendarme et les gendarmettes, ou le gendarme à Saint-Tropez. Attention, quand même, ça c'est du classique français. C'est du classique français, attention. Je me suis trompé, je l'ai. Attention à vous, groupir, il faut rester groupir. Le suspense est insoutenable. Mais c'était la 7ème compagnie, et non, c'était pas la grande vadrouille, je sais. Bah ouais, j'ai mis ça moi. J'ai essayé de piéger un petit peu. Vico qui passe premier sur ça à 4289 points. Bien Vico, 6 bonnes réponses d'affilée, il est lancé là, personne ne l'arrête. On a Lulu qui est deuxième, Max troisième, Grou quatrième, Hello cinquième. Donc là vous avez disparu du classement tous les deux. Il y a un bon top 3 quand même, j'avoue, on a l'habitude de les avoir. Max peut-être sous un autre pseudo, mais en tout cas ouais, on a quand même des gens qui savent jouer, qui ont de la culture. On va pouvoir continuer un petit peu encore une fois. Cette fois-ci encore un peu de graphisme, c'est pour vous. Un seul de ces procédés d'impression n'existe pas, laquelle bien sûr c'est la sérigraphie, l'offset, l'héliogravure ou le demi. Bah même nous tu vois on un seul pas. De ces procédés d'impression n'existe pas, la sérigraphie, l'offset, l'héliogravure ou le demi. Vico qui connaît la réponse. Vico, il est chaud. Je suis sûr, même en se trompant, il l'a juste en fait. Et c'était le demi qui n'existait pas. C'était le demi. Et non, l'héliogravure existe. Ça se boit. Merci, Paul. Donc voilà, on va voir un peu le classement. Lulu qui passe première. Je crois qu'il s'est trompé, Victor, sur celle-là. Vico, pardon. Ah. On a quand même Max, Grou et Alex qui restent dans le classement. Ouais. Lulu première, elle grind un peu le jeu. Hein. Lulu à chaque fois elle est présente, elle mérite de ouf. On va pouvoir continuer avec un peu d'histoire. Selon la légende, à quel savant doit-on la célèbre formule Eureka? Galilée, Archimède, Nicolas Copernic ou Thalès? T'inquiète, je compatis. J'ai abandonné la quatrième question à l'aide. Alors on a des compétiteurs sur le jeu là, on a des compétiteurs quand même. Donc alors, Galilée, Archimède, Nicolas Copernic, pardon, ou Thalès. Et c'était bien évidemment Archimède. Ah ok, donc personne n'est allé sur du Copernic ou du Thalès. Ok, déjà on a quand même un parti pris. Donc c'était Archimède, voilà, il fallait le savoir. Okay. J'essaie de poser un peu de culture. Max premier du classement, 5940 points, qui se défend super bien. On a Lulu, 5887 points. Et on a Vico, 3ème, Vico, 5697 points. Très serré ce top 3. Moi, très serré. Moi, j'ai peut-être soutenir Max, hein, si Vico, il descend. Ah, toi, tu te désolidarises. Max est sur le plateau avec nous, du coup. Alors, ne vous inquiétez pas, il n'a pas les réponses aux questions. Mais il a une culture G. Et ça, on peut le souligner. On va pouvoir continuer avec un peu d'animal. Peut-être que Max, tu vas pouvoir répondre à ça. Quel mammifère cétacé des mers arctiques surnommait-on autrefois licorne des mers? Le requin blanc, le narval, le morse ou la licorne? Alors, bien évidemment, il y en a une qui est pas bonne. Je laisse deviner laquelle c'est, Max. Est-ce que ce serait pas la licorne? Donc, c'est le requin blanc, la narval, le morse ou la licorne? Et c'était la narval. Et voilà.
C'est quoi ça, t'as eu juste Max ou pas? Narval. Il a eu juste. Par contre, Biko, t'as un concurrent direct. Misophin, mi-baleine avec une. Lulu qui remonte première du classement. Eh, franchement, c'est. Alors. On essaie d'en faire toutes les semaines un peu ce genre de quiz pour ceux qui sont pas au courant, cette espèce de quiz un petit peu interactif. Vico, il a grind le jeu. Là, on a quand même un top 3 qui est ouf. Carrément. On a quand même Lulu, Max et Vico qui sont à même pas 200, 300 points d'écart les trois. Donc vraiment, on a un top 3 qui se joue à pas grand chose. On a Grou derrière quand même. Enfin, on a vraiment un top 5, honnêtement, qui se défend très très bien. Ouais. On a Grou quand même à 636 points, pardon, et Alex qui est juste derrière. Vous deux, donc, vous avez abandonné, vous avez arrêté de jouer. Tranquille, on est là, on participe. Écoute, je remonte un petit peu, je suis à la 7ème place. 7ème place, toi, en t'es quelle place? Je suis là, je participe. Tu participes, mais c'est super, c'est le principe. Donc, on va pouvoir continuer. Oui, Palipop Ju, c'était bien Narval. On peut continuer. La Futura est. Je sais. Le titre d'une chanson italienne, un film de science-fiction, une police de caractère ou une voyante par téléphone. C'est ça, donc pour ceux qui sont au courant, la Futura, c'est quelque chose qui est très répandu quand même pour ceux qui sont au courant, encore une fois. Tout le reste c'était juste pour rigoler. C'était vraiment pour rigoler. Et c'était une police de caractère. Yes. Voilà, c'est une police de caractère. C'est bizarre. Et non, ce n'était pas un film de science-fiction. C'est vrai que ça aurait pu. Hein. Ouais. Quand j'ai cherché. Sixième place. Peut-être. T'as la sixième place. Bah, attends, on va voir le classement tout de suite. Comment ça se déroule? Personne ne bouge. On a Lulu qui reste première. Tout le monde a eu juste super. On a Lulu, Max, Vico, Grou et Alex qui sont quand même. Tous les 5 dans le top 5, c'est le principe. Vico est à 10 bonnes réponses d'affilée. Vico est à 10 bonnes réponses d'affilée, les gars. Vico, il y va quand même. Ça se trouve, il cherche en même temps. Il a 15 secondes, il se dépêche, il tape vite la question. Il cherche rapidement. On va pouvoir passer cette fois-ci au vrai ou faux, donc cette fois-ci un peu plus rapide. On va pouvoir les lancer. Le jeu Among Us est sorti en 2020. Vrai ou faux? Là, il faut le savoir pour le coup. Là, on peut pas inventer. Là, oui, il faut vraiment le savoir. Ah, on ne triche pas là-bas. On a de l'hésitation du côté du public. Max, peut-être une hésitation? Ou tu sais? Toi, tu sais, toi. Ah, l'hésitation, on a quand même de l'hésitation. Peut-être que Vico va remonter là-dessus, on sait pas. Et c'était faux. C'était faux, bien sûr, il est sorti en 2018. Et voilà, il a juste explosé en 2020. C'est ça. Et Vico qui remonte. Vico, 11 bonnes réponses d'affilée. Lulu qui domine le classement. Ouais. Elle a décidé, là, elle a dit, aujourd'hui c'est mon jour. Voilà. J'imagine qu'elle a aussi 11 réponses, bonnes réponses d'affilée, sinon elle aurait beaucoup moins de points. GG en fait. J'aurais pas dû abandonner, j'aurais smurfé la fin. Bah peut-être justement, peut-être. Parce que justement... tu donnes les réponses dans le chat aussi. Faux. C'est faux, les gars. Les gars, c'est faux, les gars. On va pouvoir continuer avec Wikipédia. En 2020, toutes les versions réunies de Wikipédia comptaient 224 milliards de pages vues. Vrai ou faux? Ça fait beaucoup. C'est-à-dire qu'en 2020, ils ont eu 224 milliards de pages qui ont été vues. Ça ne m'étonnerait pas parce que Wikipédia, c'est quand même l'un des premiers sites en France que tu vas voir quand tu as besoin d'une information, pour d'une tout, définition, n'importe quoi. Pour tout. Ouais. Genre, mais là, mes quiz, tu crois que j'ai fait comment? Et c'était vrai, bien joué. Personne qui a répondu faux, je suis désolé pour toi, mais c'était totalement vrai. C'était 224 milliards de pages vues. C'est énorme. C'est énorme. C'est juste énorme. Le classement ne bouge pas. On a Lulu première, Vico deuxième, Max troisième, Grou quatrième et Alex cinquième. Vous deux, vous avez bougé un petit peu ou pas du tout? Toujours sixième derrière Alex. Il y a combien de personnes en fait sur le jeu? On est 15 à jouer, je crois, à peu près. Ah ouais, 15. D'accord, ouais. Ok, je comprends mieux. Parce que si c'est marqué 15, du coup... Non, sinon je poserais pas la question. Non, oui, mais... non, mais c'est tu, pas sais pas, tu sais pas peut-être où ça s'arrête. On va pouvoir continuer un petit peu. Question de culture, et vous savez quoi? Celle-là, elle est intéressante. L'alcool est considéré comme un dépresseur du système nerveux. Vrai ou faux? Ah, j'ai décidé de partir sur... sur de la science. Sur, bah, un peu de tout, vous savez quoi? Un peu de tout. Vrai ou faux? Est-ce que l'alcool est considéré comme un dépresseur du système nerveux? Est-ce que du côté là-bas, on sait la réponse déjà un petit peu? Ça boit beaucoup d'alcool là-bas? Ah, je ne donnerai pas la réponse. Et c'était vrai, c'était totalement vrai. L'alcool est considéré comme un dépresseur du système nerveux puisqu'il le ralentit et il l'accompagne en fait tout simplement. Je ne fais pas du tout la promotion de l'alcool. Ne vous en faites pas. À boire avec modération, je crois que c'est ça qu'il faut dire quand on fait des trucs. C'est ça, à consommer avec modération. Je pense qu'on va avoir une petite surprise dans... Oh bah... Alors ah bah attendez, j'avais pas demandé le classement, mais Lulu première, elle grind at plus de 10 000 points. On a Axel qui est revenu, 5ème place. Axel, attention, Ambre, au début tu faisais la maline, t'es où là maintenant? Oh, c'est vachement agressif. je voulais pas que ça soit aussi agressif. Pas du tout, non, alors quelle place? Et maintenant elle part. Ah bon bah elle c'est part. Parti, elle a failli arracher le cap du micro, je pense que Paul aurait bondi sur Ambre. Non, bien joué Axel, t'es remonté au classement. On c'est va pouvoir ça. Enchaîner, continuer. Attention, Vico quand même qui a 200 points, grosso modo 300 points de je la première place. Je pense qu'on est sur une victoire de Lulu là. Lulu elle graine, on va pouvoir continuer. Le requin mécanique dans Les Dents de la Mer, le grand classique d'horreur de 75 bien sûr, s'est brisé plusieurs fois durant les tournages. Est-ce que c'est vrai ou faux?
Est-ce que c'est vrai ou faux? Le requin mécanique dans les dents de la mer s'est brisé plusieurs fois durant les tournages. On se fout de ma voix du coup à la régie, c'est ça? Peut-être une petite remarque sur ma voix le temps que les gens répondent. C'est tellement spécifique, mec. Là, elles sont super ciblées, les questions. Au moins, c'est totalement vrai, voilà. Mais au moins, vous apprenez que dans les dents de la mer, il y avait sur le tournage un requin mécanique, voilà, qui jouait le requin, en fait, ce dont on a tous peur. Donc voilà, c'était au moins. C'est un vrai requin, pour le coup. Et non, ils mangeaient pas réellement des personnes. On n'est pas sur du Cuisinella. On n'est pas sur du Cuisinella. Mais le classement ne change pas. Dites-moi si les questions sont juste trop rapides, trop faciles, ou juste si vous avez trop de chance. Est-ce qu'ils sont trop intelligents, quoi. Le vrai faux est un peu facile. Non, mais attends, je suis désolé, mais on a quand même Lulu, Vico, Max, Grou. On a quand même Lulu, Vico, Max et Grou qui font que de graines le jeu. Enfin, genre, vous avez pas fait de faute en fait. C'est ça, dans les Max, t'as fait une ou deux fautes. T'as fait 3 fautes sur le truc, sur 15 questions. Super. Ok, je vais revoir un peu mes questions. C'est pas grave. En tout cas, Axel, tu restes dans le classement 5ème place. Lulu, bien sûr, 11 183 points quand même. On est sur la qualité. Hein. On est sur la qualité. Dernière question, peut-être qui va démarquer Vico et Lulu. L'effet de la caféine dure de 4 à 6 heures. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Waouh, mais. Ouais, j'essaie de vous en apprendre plus. Pourquoi sur votre corps, tout simplement. Au moins, tu sais, quand tu bois ton café, tu dis ah ouais, punaise, ça dure. Je sais que ça met 4 heures à agir, mais je sais pas si. Eh bien, c'est totalement c'est vrai, ça dure de 4 à 6 heures. Et voilà. Donc, on va voir tout de suite le classement général qui a gagné entre Ambre et Axel. Le podium, attention Axel. Au podium. Troisième sur le podium, nous avons Lulu. Non, Lulu. Oh, bah, Lulu qui a mis ça à la toute fin. C'est wow. Trop dommage. On a, Vico a gagné. Et Vico. Max, bien joué. Et il y a Vico. Mais non, mais les gars. Attention. C'est scripté 100%. Non. Vico, non, mais d'accord. Bravo. Ah, ouais, ouais. Alors Lulu, super grosse compétitrice, ouais. Qui a quand même dominé le classement pendant un super long moment. Max, GG en fait, ouais. GG Max. Peut-être un petit mot de ton côté. Bien joué à tous. Mais voilà, carrément. Deuxième et Vico en plus qui a l'audace, il arrive dans le chat et il marque GG. GG les gars, voilà, j'ai repris le classement à toute fois. Pour la dernière, mais j'ai eu juste. Voilà, juste histoire de vous dire, voilà. N'hésitez pas encore à nous faire des retours sur tout ce qui se passe. Peut-être un sondage du coup sur les gens s'ils ont apprécié ou pas du tout rapidement du côté de la régie. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Il est 22h22. Oh, touchez votre nez! C'est pas le nez, les gars! Ça, ne le nez, ça. le nez! Voilà, ça va devenir un mème, super. J'espère que c'est clippé du côté de Louis, en tout cas. Toujours aussi bien, merci beaucoup. Vous pouvez nous retrouver tous les mercredis, comme d'habitude, de 20h à 22h. C'est désolé ça. Pour les sessions dernières. C'est vrai qu'on a eu 2-3 contretemps. Objectif d'apprentissage, super. Mais là, la dernière fois, il était dans le rouge, je vous ai tout appris, je suis content. Recommandation, cool. Il y a quelqu'un qui me recommande pas? Pardon. Excusez-moi, qui fait ça? Dites dans le chat, dites. Et un avis, il y a une personne qui a passé un mauvais moment, je suis désolé pour toi, c'est le jeu. Je tiens à faire une dédicace à Ambre pour tout le contenu fourni ce soir. Et ben voilà, grosse dédicace. Pour les clips. C'est Louis. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Du coup, vu que la semaine prochaine on va stream sur YouTube, n'hésitez pas déjà à tous aller vous abonner à la chaîne YouTube pour qu'on garde un peu notre public au final quand même, ouais. Ça pour que vous puissiez nous retrouver en fait tout simplement sur Twitch. YouTube tout attaché, c'est presque la même chaîne. Il y aura juste d'autres streams et nous, ce sera toujours le mercredi soir. Le mercredi de 20h à 22h. Encore une fois, les réseaux sociaux, on va les respam rapidement dans le chat. Elox, je te laisse faire ton travail. C'est ça. Et le lien de la chaîne YouTube aussi. Bah, il l'a déjà fait, il est actif. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis. C'était le spot pour une émission. On se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous, ciao ciao. Ça fait plaisir.